Hey, bonsoir à tous, un public merveilleux et formidable ce soir. Eh oui, j'ai décidé de prendre la voix de Gilix pour vous présenter et pour masteriser ce formidable second épisode de la Gazette, de la Living Campaign, de Roll and Play, sur des règles de Héros et Dragons. Eh oui, savez-vous, Simon? Ah oui, pardon. Donc ce soir, nous allons retrouver nos personnages. Je sais que ça va être chiant à la fin si je parle comme ça, mais j'aime bien, ça me donne la patate. Ouais, ce soir, nous allons retrouver nos personnages, Jean Edmond de... Jean Edmond, ah oui, attends, hop, je te mets, hop, salut, ouais, Jean Edmond de, je sais plus quoi, de mille épées, voilà, tout à fait, Jean Edmond de mille épées qui ce soir va encore, souvenez-vous que ce personnage volubile n'arrête pas de parler, même quand il est seul, comme vous ne l'avez pas remarqué durant le premier épisode. Nous allons retrouver aussi Mésérette de Persemont. Mésérette de Persemont, et oui, avec ce nom de famille aussi phallique qu'on espérait. Nous, ouais, salut à tous, salut à tous, salut à toi, salut à tous sur le chat, et oui, car la moitié du chat est représentée par les joueurs en fait eux-mêmes. Et nous allons. Qui encore? Ah oui, attendez que je fasse apparaître. Nous aurons aussi Monsieur Gradule le nain, Gradule le philosophe, Gradule qui dont la citation préférée est « J'ai des poils, donc je suis », eh oui, car Gradule, oui, enfin bref, et enfin pour finir, notre moine à la pointe, monsieur Wu le moine, non, il n'y a pas de jeu de mots, et voilà, c'est formidable, donc voilà, donc... d'être là ce soir. Et voilà, il est là, il est ravi avec sa voix qui en fait tomber plus d'une et plus d'un à chaque fois. Oh mon dieu, quelle voix. Et petit résumé de l'épisode précédent pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Nos quatre héros sont à la recherche de leur mentor, leur maître si vous préférez. Du moins, trois mentors du nom de... Où sont les noms? Voilà, je les ai là. Du nom de Edmond Robson, Geng Jinzu et Elka. Donc nos amis sont à la recherche de leur mentor en vue de devenir des gardes de l'Ordre Rouge, le prestigieux Ordre Rouge, chargé de contrôler et de détruire tout acte magique anti-impérial. Eh oui, car c'est comme ça dans le royaume, dans le monde de Pangée. En cherchant leur mentor, nos amis ont suivi une fausse piste lors du dernier épisode qui les a amenés dans un camp orc, où ils s'en sont plutôt bien sortis, même si Wu a fini couvert de merde, mais où nos amis ils s'en sont parfaitement sortis et ont finalement décidé de suivre donc le dernier espoir pour eux de retrouver leur mentor, de suivre la route jusqu'à la grande ville de Norpont, et c'est sur Norpont que nous allons commencer notre aventure. C'est du moins l'arrivée à Norpont que nous allons commencer notre aventure. Comme d'habitude, chers amis, et oui, c'est formidable. Comme d'habitude, je vais donc mettre en direct aussi, je vais poster en direct sur le salon Discord les images et les illustrations dont je suis l'auteur ce soir. Et vous aurez aussi un plan qui a été réalisé par Hélène Thier, que vous verrez peut-être tout à l'heure, si vous êtes pas trop mauvais, bande de joueurs. Et donc, où est le, tant que je retrouve le moyen de foutre l'image quand même pour vous, chers joueurs. Si. Là, j'imagine que bon, de toute façon, il y a tellement de salons sur le Discord que je ne m'y retrouve plus. Eh oui, c'est le bordel. C'est formidable. Qu'est-ce que ça commence mal. Putain, mais pourquoi j'ai accepté autant de gens pour créer des mondes et des PJ? Je me le demande encore. Voilà, la quête en cours. C'est formidable. Voilà, la quête en cours. Je l'ouvre. Attention. Attention, et là. Ah, je vais essayer de mettre une image. Peut-être que mon ordinateur ne va pas planter. Non, il ne veut pas mettre d'image. Si, il veut mettre une image. Non, il ne veut plus mettre d'image. Il apparaît, il disparaît, il réapparaît. Oui, il apparaît. Et je vais. Voilà. Je vais mettre l'image de Norpont. De toute façon, je crois que vous connaissez déjà, puisque je l'avais mis en preview il y a quelques jours sur le Discord. Et je vais, de ce fait... Voilà, pour nos téléspectateurs actuellement sur le live, Norpont est donc une grande ville frontière qui passe comme ça par-dessus un grand fleuve qui s'appelle le Mégalé. Et donc Norpont, voilà, comme vous pouvez le voir sur cette jolie carte, vous voyez un petit peu plus au sud, le relais du Corbeau d'Or, où une partie de la précédente aventure s'était déroulée.
Voilà, et donc, pareil, je regarde un petit peu, que je me crois pas dans les trucs. Et donc, la petite image de Norpon. Voilà, petite image de Norpon qui est là pour ceux qui voient le Twitch et ceux qui sont sur YouTube actuellement. Voici Norpon. Donc, mes chers joueurs, mes chers, pardon, mes chers camarades, mes chers compagnons, mes chers aventuriers, prenons maintenant un peu de sérieux. Vous arrivez donc enfin devant Norpon. Mais cette fois, la météo est beaucoup moins clémente que ce que vous avez pu connaître à Vercol précédemment. Le temps n'est plus aussi radieux. La vue que vous avez de Norpon n'est pas vraiment de l'ordre du pittoresque. Il fait gris, il y a du brouillard, il y a de la brume. Il y a très 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 peu de gens, comme je vous avais dit la dernière fois, l'axe est très très peu fréquenté déjà. Même au printemps, nous sommes toujours au printemps, mais bon là c'est vraiment un printemps normand, on va dire, hein, pour ceux qui auraient la référence. Et donc vous arrivez à l'abord de cet énorme pont en fait. Et à l'abord de cet énorme pont, il y a d'autres habitations. Avant même le pont, il y a quelques faubourgs, mais avec quelques maisons, quelques bâtisses disparates. Et vous voyez juste derrière ce faubourg, donc ce long pont avec énormément d'habitations dessus, même sur les côtés, ainsi qu'en dessous du pont. C'est assez impressionnant à voir, c'est assez étonnant. J'espère que mon image est assez parlante. Et au loin, vous voyez un autre faubourg et au faîte d'une espèce de petite colline, vous voyez une sorte de cité un poil différente visuellement. Et donc, vous arrivez dans ce faubourg. Après, je ne sais plus, une bonne journée de marche, voire même peut-être 2 bons jours de marche depuis le dernier épisode. Vous avez donc récupéré tous vos points de vie, vous n'en aviez perdu aucun, vous récupérez tous vos emplacements de sort, vous n'en aviez perdu aucun, puisque lâche que vous êtes, vous n'êtes même pas fricoté les orques la dernière fois. Et donc vous arrivez devant le faubourg, On en a tué deux. et puisque on est comme ça, parce que on est comme ça, parce que nous on est comme ça, on est des fous, on perd pas le temps, vous allez tous me faire un jet de perception et vous allez me dire vos résultats. Tous, vous quatre, allez-y. Ah, ça part Petit. Allez hop, direct. c'est parti, ça pète tout de Alors, suite. j'ai combien moi en perception? Tic-tac, plus deux. Bon, Allez-y. ça commence bien. Alors on va commencer dans... Tiens, on va 2 faire... plus 2, Alors, 4. donc, prenons... Pardon. On va faire un petit ordre. Tiens, la dernière fois on s'était dit ça, pour éviter que tout le monde se parle les uns sur les autres. Donc écoutez, on va d'abord prendre... Donc Monsieur Mézérette, combien avez-vous fait? J'ai fait 4. 4. D'accord. Voilà, ça commence bien. Monsieur Gradule, combien avez-vous fait, Monsieur Gradule? Non, parce qu'il a fait 16. Il a fait 16, Monsieur Gradule. Très Ah. bien, Monsieur Gradule. Il a fait combien, Monsieur Wu? J'ai fait mieux, enfin j'ai fait 6. D'accord. Et Monsieur Jean Edmond de Avec que des boîtes, donc. Et Monsieur Jean Edmond? Il a fait 7. Très bien. Vous avancez. Vous avancez, vous Ça, c'est avancez. la bonne team, ouais. Vous avancez. Oui, non, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Vous en faites pas, ça va... Enfin, je sais pas. Hein. Mais donc, vous avancez comme ça dans les faubourgs, avant même à l'entrée, on va dire, du pont. Hein, pas sur le pont lui-même, mais disons à l'entrée du pont. Donc, c'est ce faubourg un petit peu vide, avec quelques bâtisses disparates. Mais il y a un moment où Gradule fait ça. Ah, il semble que Gradule renifle quelque chose. En fait, Gradule renifle la bière, et quand Gradule renifle la bière, il s'approche petit à petit d'une auberge assez, ma foi, bon bah, si on, qui fait un joli petit contraste quand même avec la grisaille alentour. Une petite auberge bien entretenue, tout ça. Et il jette un œil comme ça par une des vitres, comme ça, et il vous dit à tous. Et là, Gradule, je vais te dire ce que tu vois. Et tu le diras si tu as envie de le dire. En fait, ce qui t'a, bon, d'abord, ce qui t'a attiré, bien sûr, c'est l'auberge, l'odeur de la bière, tout ça, bien sûr. Mais ce qui t'a aussi, alors là, ce qui t'a par contre attiré l'œil, c'est que dans cette auberge, tu as remarqué les décorations, et sur les murs de cette auberge, tu as remarqué en fait trois tabards. C'est-à-dire, le tabard, c'est cette espèce de vêtement qui recouvre les armures ou les cottes de mailles des chevaliers. Donc, tu remarques trois tabards accrochés, comme des décorations, hein. Trois tabards accrochés, mais des tabards de couleur rouge et avec un signe d'un espèce de serpent qui se mord la queue et
qui évoque chez toi bon, tout de suite quelque chose, ce signe, on t'en a un petit peu parlé, et d'ailleurs on vous en a parlé à tous les quatre. En fait, ce signe est celui de l'ordre rouge. Et donc voilà ce que tu vois, toi, Gradule. Maintenant, tu décides de ce que tu décides tu décides de ce que Alors, tu veux faire. ouais, Oui. j'ai pas compris les trois tabards, comme tu Ouais. dis, ils sont juste accrochés. Ils sont au nombre de 4, pardon. 4 tabards. Ils sont accrochés comme des décorations dans le. Si tu veux, tu regardes l'auberge. Bah, c'est à l'intérieur de l'auberge, donc tu vois des tables, des usagers et tout ça. Et tu vois. Voilà. Et puis tu vois, en guise de décoration, juste 4 tabards de couleur rouge puis en fait, qui sont ceux de l'ordre rouge, en fait. Hein, mais qui sont accrochés, vous savez, comme des décorations. Comme des décorations. Voilà. Comme des. Pas des trophées, je dirais, pour pas non plus. Mais enfin, c'est des décorations, voilà. Et donc. Voilà. Donc voilà ce que tu vois. Ben, je me tourne vers mes trois autres compagnons et je leur dis, écoutez, il y a deux bonnes raisons pour entrer dans cette auberge. Première, c'est qu'on a besoin de boire de la bière. Deuxième, c'est que regardez les quatre barres rouges. Je ne sais pas, c'est étrange de les trouver comme ça, comme une décoration. Ça ne devrait pas être une décoration, ça devrait... Je ne sais pas, c'est bizarre de le trouver comme ça au mur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Entrez, entrons. Vous Je donne de la avez bière. très, très perçante, Question. honorable Gradule, votre vue est très très perçante. Sa vue Vous est très avez. perçante, mais sa hauteur étant assez modérée. En fait, il n'a peut-être pas levé assez le regard, et toi, au moment où tu dis oui, votre vue est très perçante, honorable Gradule, mais tu lèves le regard et tu vois évidemment l'enseigne de la taverne, et tu peux lire le nom de cette enseigne, ça s'appelle le Tabard Pourpre. Bon, c'est juste pour dire ça. Et donc, cette enseigne aux couleurs rouges est écrite comme ça, le Tabard Pourpre, pardon. Ah, je te laisse continuer. Bien, je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nous y rendre sans plus attendre. Qu'en pensez-vous, Mézérette? Je suis tout à fait d'accord, et il se peut même que cette taverne soit le QG de l'Ordre Rouge dans cette ville, et ils auraient éventuellement des informations sur nos mentors. Comme Impossible. je tourne la tête et comme je n'entends pas Jean-Edmond, je m'inquiète, je regarde s'il il est encore avec nous ou est-ce qu'il s'est perdu dans la foule. Oh, je suis là. Oh, Jean-Edmond, Ah, oui. je fais un petit sursaut. Ah, vous étiez donc là. Très bien, nous pouvons donc nous rendre à l'auberge. Oui, tout à fait. De toute façon, nous n'avons aucune piste pour l'instant, donc il faut bien commencer quelque part. Et cette auberge est peut-être un La bon point de bière départ. est toujours le meilleur commencement de toutes choses. Il est quand même étonnant ce Jean-Edmond. Je ne vois pas sur sa fiche cette compétence d'invisibilité qu'il a à chaque fois. Et donc, donc vous rentrez dans l'auberge donc du Tabard Pourpre, et vous rentrez à l'intérieur. L'intérieur, mais en fait, il est assez rempli. Hein. Ouais, c'est pas non plus des trucs des foules de grand jour ni quoi que ce soit. Hein. Ça reste quand même encore une fois un endroit très 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 calme, très très peu fréquenté. Hein. Ça ressemble même assez à une ville morte, mais comment dire, en même temps une ville morte, mais voilà, avec des badauds, avec quelques commerçants peut-être poussant quelques carrioles, charrettes et tout. Bon bref, voilà, c'est juste que c'est mort comme un dimanche ou je sais pas quoi, quoi. C'est pas non plus le truc. Bon. Et donc vous entrez dans cette auberge où se trouvent donc quelques personnes, oui, quelques habitués des lieux certainement, en train de boire quelques bières et quelques autres choses. Et donc bah, vous voyez aussi vous voyez derrière un comptoir un personnage assez grand avec une jolie moustache qui vous regarde et qui vous fait vous pouvez vous asseoir, monsieur. Asseyez-vous, j'arrive. Voilà, il vous dit juste ça. Et je vais de ce pas montrer à quoi il ressemble. Et je vais vous mettre aussi le déchin sur le dessin sur le Discord en même temps, si j'y arrive. Ah bah, je vois que le. Voilà, ok. Donc, vous voyez, enfin, pour ceux qui sont sur le Twitch, vous voyez déjà à quoi ressemble notre cher tavernier dont je viens de parler. Et je vais. J'espère ne pas me gorer de déchin. Ah là là, mon Dieu, un jour j'aurai. Ah non, ce n'est pas ce déchin-là, voilà, c'est Ouh, passé cette un autre. moustache. Oui, oh, c'est une belle moustache, j'avoue. Voilà, il est là, ça y est, j'ai trouvé. Pardon pour cette encore petite attente à chaque fois, je dois gérer, voilà, en même temps le Discord pour permettre à nos joueurs de voir s'ils ne sont pas sur Twitch en même temps. Voilà, donc voyez le voilà, personnage, donc voilà ce tavernier donc, qui vient de vous parler.
et que vous invitez à prendre place. Que faites-vous? Eh bien, moi, je vais m'installer. Mmh. Ouais, pareil, oui. Très bien. Ah bah oui. Et bah, vous et prenez... je le salue, hein. En rentrant, je dis bonjour mon brave, ah, et je pars à la table qui nous indique, quoi. C'est quand même sympa de pas avoir complètement oublié quand même un minimum d'étiquette sociale, hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Donc, oui, bien sûr. Et donc, il Oui. Moi, je m'approche de la table. Est-ce qu'elle est propre? Oui, oui, oui. L'endroit est propre. Non, non, il y a pas de. Oui, c'est même bien propre. Il y a pas de. Non. C'est un petit faubourg, tout ça, mais c'est pas le truc mytho non plus. C'est voilà. Bon, bah. Non, non, c'est très bien tenu. Voilà. Petit... Encore une fois, bon. De toute façon, dans cette partie du royaume, de l'empire, pardon. Bon, bah, c'est quand même assez éloigné de tout. Donc forcément, c'est assez, c'est rudimentaire, mais en même temps, de bonne qualité. C'est un petit peu ce que vous aviez déjà connu à Avercol. Hein. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est là. Ça fait partie de ce côté un petit peu populaire mais de bonne qualité, quoi. Et néanmoins, je sors un tissu de mon sac et je frotte la table et les chaises par acquis de conscience pour que ce soit bien propre. Ces derniers temps, je suis assez soucieux de la propreté. Très bien. Ah oui, je comprends pourquoi. Donc c'est normal. Tu es seul. Oui, vas-y, vas-y. Pardon, ouais, non, moi j'avais une autre question, c'était par rapport à est-ce qu'il y a du monde dans la salle ou est-ce qu'on est seul? Non, 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 il y a quelques personnes, des habitués. Par rapport à la grandeur de la salle, on va dire qu'une bonne moitié remplie, ça fait peut-être une petite dizaine de personnes à tout casser. Voilà. Mais voilà, donc après encore, bon, vous voyez des gens, quand vous jetez un œil autour, vous voyez pas, enfin bon, non, il n'y a pas de mec avec une grande cape noire qui vous attend dans un coin de l'ombre. Non, il n'y a pas du tout ça, c'est ah, vraiment mince, des... c'est pas celle-là. Il y a, non, non, il n'y a pas de, c'est juste, alors d'abord, ce ne sont que des humains, hein, donc que vous voyez autour de vous, et puis, mais vraiment, bon, voilà, c'est vraiment des... Des quelques mecs comme ça, tu vois, des cinquantenaires, ou même des quarantenaires, qui ont certainement terminé la journée, ou peut-être qu'ils n'ont pas trop de travail en ce moment, et qui sont en train, voilà, de viser, de jouer à quelques dominos faits en os, des choses comme ça, enfin voilà, c'est... Et donc, d'une petite minute, de deux minutes, hein, vous êtes assis, vous avez essuyé vos chaises, tout ça, donc le tavernier arrive vers vous, et vous fait, bah alors messieurs, ouais, et qu'est-ce que vous prendrez? Eh bien, mon brave, votre meilleure bière, pour moi. Et là, il te regarde et fait ah, c'est marrant ça, l'accent que vous avez, vous venez d'où? Ah, mon cher ami, je ne viens pas du même coin que vous, je l'entends bien. Je viens du sud, figurez-vous. Oh, vous venez du sud. Ah, mais mon ami, vous avez mal lu votre fiche de personne. Non, je plaisante. Et donc, oui, bah, très bien, mais asseyez-vous, mes amis. C'est bien. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous servir? Eh bien, je vous l'ai dit, votre meilleure bière pour moi. Une bière pour le monsieur le nain. Et quoi d'autre pour vos amis et vos compagnons? Je prendrai un tonneau de vin, s'il vous plaît. Un tonneau de vin pour le grand monsieur ici, et quoi d'autre? Je prendrai aussi un verre de bière pour ma part. Un verre de bière, très bien. Et le monsieur avec les pointes? Un verre d'eau. Oui, mais je voudrais un verre d'eau chaude, je vous prie. Quand vous dites chaude, vous préférez chaud tiède ou chaud chaud? Et là, il te regarde comme ça, tu sais, du genre, tu me cherches, tu me trouves. Seigneur le verre d'eau, chaud comme une journée d'été, au sommet du monde. Eh ben, je vais vous faire comme une journée d'été à Norpont, monsieur. Ok, d'accord. Allez hop, c'est bon, il retourne vers son comptoir préparer les quelques bières que vous avez demandées. Un petit instant, attendez. Oui, papa. On n'y arrivera jamais. Allez, vas-y. Et donc, vous êtes, voilà, il va chercher donc les quelques bières que vous avez commandées. Vous faites rien de spécial. Ça dure quelques secondes, hein, non, une minute ou deux. Vous regardez autour de vous, donc comme je vous disais, en fait, ouais. Ce qui est le plus notable, c'est donc ces fameux quatre tabards bien rouges là, de couleur rouge de l'ordre, hein, de l'ordre rouge, qui sont pendus en guise de décoration. Ouais. C'est vraiment le truc qui semble être vraiment une sorte de fierté.
Il va se lever et il se rapproche des tabards pour les regarder de près un petit peu pour voir un petit peu donc, s'ils sont abîmés. En t'approchant des tabards, le tavernier, le taulier te remarque d'un petit coin de l'œil avec un petit sourire, tu vois. Et toi, tu regardes les tabards comme ça et non, c'est des pièces quand même assez qui ont été utilisées, qui ont été bien utilisées et qui datent un petit peu. Bon, après, qui datent. Ça se date en peut-être deux dizaines d'années, pas plus. Hein. C'est pas des trucs antiques ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, mais enfin, on sent que ça a été utilisé, ça a été porté et voilà, c'est mis ici. Quoi. Le tavernier, le taulier, revient avec les consommations. Il sert donc une énorme chope de bière pour Gradule, un petit verre de bière pour Monsieur Jean Edmond. Je ne sais plus ce qu'avait demandé Mézéret, t'avais demandé de la bière aussi je crois. Un tonneau de vin. Un tonneau de vin, donc là pour toi il t'amène un petit tonnelet de vin d'un ouais. Et puis pour vous il lui amène une coupe d'eau, froide. Et il fait comme ça, température de l'été. Allez, voilà. Si messieurs veulent bien consommer, oui. Moi, j'allais l'interrompre. Oui. Enfin, j'allais tant qu'il est là et qu'il nous sert, je lui fais mon brave, ces tabards sont-ils là pour une raison particulière? Ah, croyez bien que mon bon monsieur, que si j'ai appelé mon établissement le tabard pourpre, et si j'ai mis ces quatre pièces de tissu au mur, c'est certes avec une certaine fierté et pour une certaine raison. Et je dois vous avouer que, comment dire, ici. Ah oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Ah. Non, vas-y, pardon. Non, c'est bon. Oh, bon, ok. Et donc, oui, bah, en fait, oui, il y a de cela quelques années, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire partie de l'Ordre Rouge moi-même. Et donc, voici, en fait, à côté des tabards de mes compagnons d'époque, des compagnons de la compagnie d'où j'étais à l'époque, voici donc, j'ai choisi de mettre cela en fière comme un trophée, en guise de fierté, pour me souvenir aussi des bons jours, de l'ancien temps, mais aussi pour rappeler tous les membres de l'Ordre Rouge qui sont ici mes invités, quoi qu'il arrive, et aussi pour, montrer aussi ma fierté par rapport à notre grand empire. C'est extrêmement intéressant, dites-vous, voyez-vous, parce que nous sommes nous-mêmes un groupe pressenti pour rejoindre l'Ordre Rouge, et nous avions rendez-vous avec nos mentors à Vercol. Cependant, ne les ayant pas trouvés, nous avons décidé de venir les chercher ici, où ils se seraient rendus. Vous auriez des informations sur... sur Dame Elka, par exemple? Dame Elka... Messieurs, je vous entends bien, mais... Il y a des choses dont il faut parler et dont on ne parle pas aussi facilement. Avez-vous une quelconque preuve de ce que vous avancez à vos sujets? Là, je sors ma lettre et je la lui tends. Et je fais, mes amis, je pense que vous devriez en faire de même. Là, il regarde, vous faites tous, vous montrez tous vos lettres ou... Oui, je sors ma lettre pour lui montrer. Tous les quatre? Est-ce qu'il y en a un qui le fait pas? Non? Ok. Donc vous montrez vos... Je suis debout toujours à côté des tabards et j'écoute de loin. Tu entends tout parce que t'es vraiment pas éloigné. Il y a très peu de bruit. Encore une fois, on entend surtout quelques personnes en train de parler, mais calmement, le bruit des dominos sur le bois, enfin tous ces trucs-là. Mais c'est très... ambiance, ambiance cosy, quoi. Un petit peu à part de la table. J'ai pas compris. Je veux dire, je suis encore un tout petit peu dehors de la table. Oui, t'es en dehors de la table, mais voilà, t'as entendu la... En tout cas, le taulier prend les lettres, pour ceux qui tendent la lettre, il prend les lettres, il les regarde, les lit très rapidement. Il regarde un petit peu les signatures et les sceaux qu'il pourrait y avoir. Et il vous les rend et... Bon, à ce moment-là, il se détend un petit peu. Il fait très bien. Mais oui, en effet, messire,
attendez un instant. Et là, il pose son plateau sur votre table. Il se tourne vers les quelques habitués qui allaient à lui. Il fait, hé, on ferme, terminé, on rentre chez vous. Hé, hey, vous avez pas de chez vous, vous avez pas de maison. Alors, vous commencez à voir les habitués qui vont se faire. Non, allez, du vent, on ferme pour ce soir. Quoi, les cons d'étrangers qui nous font chier et qui vont nous empêcher de boire un coup. Et puis bon, donc il est fou dehors comme ça, un peu pas manu militari, mais quasiment mais presque. Donc il fout les. Et donc il referme la petite porte en bois derrière lui et il se tourne vers vous. Il fait oui. Oui, en effet, bah écoutez, oui, je comprends, en fait, votre venue ne me rassure pas beaucoup pour plusieurs raisons. Vos mentors, comme vous les appelez, c'est-à-dire que c'était en fait trois de mes compagnons de compagnie il y a quelques années déjà, justement. Et ma foi, ils m'ont rendu visite, en effet, il y a peu, hein, il y a quelques jours, ça va faire plus d'une dizaine de jours maintenant. Il m'avait en effet parlé qu'il devait retourner à Vercol incessamment sous peu, mais qu'ils avaient d'abord quelque chose d'important à faire ici à Norpont, justement. Ils avaient l'air un petit peu ennuyés, un petit peu. Bon, ils n'ont pas voulu vraiment me dire pourquoi ils étaient comme ça. Après tout, vous savez, la différence entre moi et eux, c'est que eux font encore partie de l'Ordre Rouge. Et que moi, je n'en fais plus partie. Ah. Donc ils voulaient peut-être me protéger, ou peut-être ne pas m'en dire trop, peut-être garder quelques secrets. Ce que je comprends, c'est un peu le but aussi de notre ordre, et n'est pas de parler à tout et n'importe où, surtout dans une taverne comme celle-ci. En effet. Mais oui, quoi qu'il en soit... Alors, le souci, c'est qu'en effet, ils sont passés ici, et ils sont repartis, et je m'étais dit que, ma foi, bon, je ne les ai pas revus après, je m'étais dit, bon voilà, ils ont quitté Norpont, mais votre venue ne me rassure absolument pas, justement, parce que si vous ne les avez vous-même pas revus depuis, ça veut dire que ça fait quand même quelques jours maintenant qu'ils ont purement et simplement disparu. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. En effet, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais nous savons qu'ils ont rencontré des orques qui leur ont tendu une embuscade, mais se sont fait oxyre prestement. Oui, ils m'ont touché un mot, en effet. Ils m'en ont touché un mot. Ah, c'était avant qu'ils ne viennent. Oui, d'accord. Oui, attendez, je dis une bêtise. Quand j'ai dit quelques jours, en fait, oui, ça fait. C'était il y a moins d'une semaine, en fait. Non, je dis une grosse bêtise. C'était. Attendez. C'était il y a 5-6 jours. Oui, pardon. C'était moins d'une semaine, c'était pas il y a 10 jours. D'accord. Excusez-moi, mais le temps ici passe tellement lentement. Je ne vous ai pas entendu, monsieur. On fait allusion à aucun lieu, aucun nom. Pas exactement. Par contre, il devrait rencontrer un personnage du nom de Naleos. C'est un officier. Naleos. Ouais, un officier assez important, hein, de Norpont. Qui avait déjà collaboré avec l'ordre. Membre de l'ordre ? Non, lui non. Non, il est non, il fait partie de l'officier. Non, officier okay. De la ville, hein, officier de Norpont, officier de notre cité, pardon. Et donc lui non, mais par contre il ne fait pas partie de l'ordre rouge, mais il a collaboré avec l'ordre rouge, hein, auparavant. Donc c'est bon, on va dire entre guillemets un homme de confiance avec une certaine oui, sans problème. Et donc oui, il m'avait dit qu'il devait aller le rencontrer. Pour lui demander quelques petites aides, peut-être, je ne sais pas. Et donc, voilà tout ce que je sais, excepté ça. Ils sont partis, et depuis, voilà, je ne les ai pas revus, en tout cas. Je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, puisque, bon, je m'étais dit, peut-être qu'ils ont continué vers le nord, ou peut-être qu'ils ont rebroussé chemin, et sans me dire au revoir, en pensant revenir peut-être plus tard, je ne sais pas. Et en tout cas, oui, ils avaient l'intention de retourner à Vercol juste après, ça c'est sûr. Et dites-moi, ce Naleos, on peut le trouver quelque part, la garde, elle a... Oui,
bah en fait. Oui, bah, Naleos, pour le trouver, en fait, il vous faudra bah, traverser le pont. Hein. En fait, il fait partie. Il n'est pas ici. Bon, on est à l'une des portes de la, enfin, l'une des entrées du pont, et lui, il se trouve à l'opposé, à l'autre bout. En fait, il travaille à l'entrée de la cité intérieure de la ville. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant, vous avez vu donc notre merveilleux pont, vous avez certainement vu derrière quelques bâtisses, et bah, aussi, si vous avez pu voir. Malgré la brume, vous avez certainement pu voir cette colline au loin avec de nombreux autres bâtiments, enfin quelques autres bâtiments, et donc c'est ce que nous appelons la cité intérieure. C'est une cité normalement fermée. D'accord. Aux étrangers. Voilà. Et donc notre ami Naleos travaille à l'entrée de cette cité intérieure. Très bien. D'accord. Pardon, mon ami. Oui, Je voulais savoir si vous saviez quelle était la teneur des échanges qu'il devait avoir avec cet officier Naleos. Je n'en ai absolument pas idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument rien. Comme je vous l'ai dit, je crois que pour ma propre sécurité, certainement, ils ont préféré ne pas trop m'en dire. En tout cas, l'affaire avait l'air sérieuse, oui. J'observe le visage de l'aubergiste. Est-ce que lorsqu'il nous explique cette situation, est-ce que je vois son regard aller de droite à gauche? Est-ce que je vois son front légèrement briller? Est-ce que j'ai le sentiment qu'il est tout à fait sincère avec nous? Eh bien, quel petit jet vas-tu pouvoir nous faire pour ça, mon cher Wu? Est-ce que ça va être perspicacité? Non, peut-être. On dirait peut-être un petit jet de perspicacité, ou je pense, non? Juste pour voir. Oui, perspicacité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, un petit jet de perspicacité. Ouais, vas-y, ouais. Fais-moi un petit jet de perspicacité, mon cher Wu. Suspense. Est-ce qu'il sera perspicace? Eh bien, je suis assez perspicace puisque je fais 20. Très bien. Oh ben. Il n'y a aucun doute. Cet homme est d'une honnêteté totale. Je veux dire, tu ne vois absolument pas de. Absolument aucun signe de mensonge, de quoi que ce soit. Il est en totale confiance avec vous, notamment parce que. Évidemment, parce qu'il a vu vos documents, etc. Et donc, non, tu n'as absolument pas vu de problème au niveau de son attitude. Bien, je crois qu'il va falloir une petite visite à ce Naleos, je pense, mes amis. Naleos. En effet, mais monsieur, une dernière question peut-être. Savez-vous si à Norpont, il y a une base, un point de rencontre ou de recrutement pour l'Ordre Rouge? Un endroit où nous pourrions rencontrer des membres actifs de l'ordre pour il arrive que évidemment que des agents de l'ordre rouge viennent ici, des compagnies de l'ordre rouge c'est un peu moins le cas, mais bon, il arrive que des agents viennent ici, mais non, il n'y a pas vraiment de lieu, enfin justement cet endroit où vous êtes actuellement. Messieurs, et certainement le lieu où vous aurez le plus de chance de trouver des membres de l'Ordre Rouge s'ils venaient à passer par Norpont. À ma connaissance, là, après, encore une fois, il peut arriver que des agents de l'Ordre Rouge, qui ont une couverture, on va dire, qui ne souhaitent pas se montrer, il est bien possible qu'ils en aient envie, je ne sais absolument pas. Je peux juste vous dire que. Voilà. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. D'accord. Sur les agissements de mon ancien ordre, malheureusement. Très bien, il nous faudra donc aller voir Naleos pour plus de renseignements. Très bien. Il fait encore jour, enfin je veux dire, il n'est pas tard du tout, hein. Vous êtes arrivé en matinée. Il est vers quelle heure, ouais? Ah, ok. Il doit être on va dire 10h du matin, 10-11h du matin, 10h du matin, ouais, c'est vraiment. Ah, d'accord, et là, nous on tape le pinard et oui, la bière. Oui, c'est la bière, 10h du matin. En même temps, vous êtes. En même temps, vous n'êtes pas des Parisiens, quoi. Vous êtes réveillés.
Vous êtes réveillé à 6h du mat, voilà, après le campement, machin, Ouais. comme ça, et hop, vous avez fait votre petit pipi, vous avez fait, voilà, qui c'est qui a la plus grosse, enfin bon, les trucs de mec, et puis après, vous êtes parti jusqu'à Norpont, quoi. Donc forcément, il n'est pas très très tard, vous avez marché une, Oui. 2 heures, enfin 3 heures, 2 heures et demie peut-être, ou un truc comme ça, bon bref. Et puis voilà, vous êtes arrivé, voilà, puis bon, là, pour vous, vous avez déjeuné très tôt, donc là, ça fait partie d'un petit truc pour boucher l'estomac, quoi. Enfin, Ok. enfin, boucher l'estomac pour toi, gradule, peut-être pas, mais en tout cas, on va dire que c'est comme Ouais, boucher petit. le premier estomac, quoi. Moitié Voilà, le premier d'estomac. estomac, les trois estomacs, car n'oublions pas que les nains ont 3 estomacs, et donc voilà, là tu as bouché ton premier estomac, le premier des 3. Les nains mangent plus que les ogres ici. Que décidez-vous, mes chers amis? Eh bien, mes amis, je vous propose de finir cette collation, puis d'aller tranquillement nous diriger vers l'office de Naleos. Et je suis tout à fait d'accord. En effet, je pense que c'est une bonne idée. Alors donc, Mézéret finit son prend son tonnelet et commence à ouvrir le robinet. Aglou, 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 Églou, comme ça. églou, églou. Pendant ce temps-là, en fait, pendant ce temps-là, le taulier lui rouvre la porte, gueule un bon coup dans la rue, et vous revoyez les habitués qui avaient été virés à coups de pompe dans le verge tout à l'heure, qui reviennent comme ça, mais d'une manière où il semble que bon, c'est ok pour eux, et donc et qui se reposent tous à la chaise où ils étaient, ils reprennent la partie de domino qu'ils avaient laissée en plan, toutes ces choses-là. Donc la petite vie dans la taverne reprend petit à petit sans même sans voilà sans plus de d'esclandre que ça. Et t'entends parfois vous entendez des petites voix en train de dire chez les étrangers qui s'arrêtent comme ça, puis qui apparaît qu'on est obligé d'aller dehors, qui fait déjà pas super, qu'on s'épelle un petit peu, qu'au fout dehors, ou du fout dehors, alors que bon, qu'on était en train de boire, hein? Et bon, enfin bref, bon, t'arrêtes-il double 6? Enfin bref, c'est ça. Donc voilà. Donc Les voilà, enfin bref. poivrots. C'est pas des poivrons, ce sont des gens de société, monsieur. Non, mais... vous finissez donc vos verres. J'espère que Wu n'aura pas la colique, parce que son verre, c'était de l'eau froide ce matin, donc j'espère que ça ira pour lui. Non, non, alors pas tout à fait. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde un instant mon verre, et après je le bois et je le déguste comme s'il s'agissait d'un nectar le plus suave qui existe, et je le bois lentement, doucement. En même temps, Et puis, une fois que... c'est vrai que c'est de l'eau de la rivière elle-même, donc qui voilà une bonne eau qui vient des montagnes, hein, qui vient en partie des montagnes, etc. Voisines. Donc voilà, oui, c'est une bien bonne eau fraîche, voilà, très Vu la bonne. tranche de la rivière sur le dessin, je me méfie un peu de l'eau Moi, je blanche. boirais pas l'eau, hein. Le dessin peut-être ne montre pas. Mais non, mais n'oubliez pas. Oui, ouais. Mais non, mais c'est parce qu'il fait gris, il y a du brouillard, le temps est moche, mais l'eau est bonne. Enfin, Et l'eau est, d'accord, l'eau est pure. quoique tu vas me dire, après avoir passé le pont comme ça, ouais, après avoir passé le pont comme ça, l'eau n'est peut-être plus aussi propre que quand elle arrivait, ouais. Parce que vous avez pu voir vraiment sous les arches, on dit les arches, hein, les arcs des ponts, ou les arches, pardon, des ponts, vous avez pu voir qu'il y avait même en dessous des habitations, des tentes assez pouilleuses, etc. Donc peut-être en fait que ça doit peut-être. Oui, fais gaffe quand même, ou. Enfin bref, elle est con. Ça a l'air Après d'être un peu réflexion, problématique. finalement, Dis-toi, quel petit fumet! quelle que soit la saveur de cette eau, je donne l'impression de la savourer et de la déguster. Et une fois Oui, que non mon mais. verre est vide, L'eau est bonne, je l'eau est le bonne. prends et je me lève, je me dirige vers le comptoir, enfin le bar. Je pose le verre en face du tavernier et je lui dis: Le plus grand gain est de donner aux autres. La plus grande perte est de recevoir sans gratitude. Et je sors une pièce d'or et je la pose sur le bar et je sors comme un prince. Là, il Oh le dit gars. wow, votre ami est très généreux, il a payé pour tout le monde. Il a même payé plus qu'il ne fallait. Et donc, note que tu as On va prendre la monnaie du coup. Note que tu as une pièce d'or en moins, mon cher Wu. Hein. Oui, Là, on oui. va faire attention avec Merci. l'argent, parce que attention, hein, on rigole plus. Là, attention, plus ça Ou avance. je suis pas très riche. Très bien. Eh bien, vous sortez tous, j'imagine, ou vous avez d'autres petites choses à faire peut-être dans la taverne? Non, Dites-moi. non, moi je. Vous C'est bon, je sors. sortez de On la y va. taverne, vous dirigez vers le pont, j'imagine évidemment. Donc vous
vous diriger vers le pont. Donc je vais remettre la petite image du pont sur le Twitch. Hein. Hop, et voilà, c'est reparti. Donc vous allez sur le pont, donc comme je le disais tout à l'heure, très très peu de personnes dans les ruelles. Des habitations sur le pont, des habitations sur le côté du pont, des habitations sous le pont. Quoique sous le pont, vous voyez surtout des formes drapées, des espèces de vieilles tentes. Des vieilles tentes, mais ça veut pas dire qu'on est dans le 18e arrondissement non plus. Et donc... voilà. Personne n'a noté celle-là. Et donc vous avancez comme ça dans la ce passage du pont qui est en fait comme une petite ruelle en fait. Hein, où parfois vous devez laisser passer une telle charrette avec tel personnage. Mais enfin bon. Moi la charrette, je la regarde dans les yeux et je lui dis non, vous ne passerez pas. Mm. Oh mon Dieu. Bah tu vas te bouger le cul parce que sinon moi je vais t'appeler la garde que j'avais quelque chose moi. Puis là il continue d'avancer comme ça. Il continue d'avancer comme ça. Est-ce que tu restes devant lui ou tu te pousses? Non, je rejoins mes compagnons et je leur dis je ne sais pas ce qui m'a pris. Une vision s'est emparée de moi. Très bien, une vision. Et donc vous continuez d'avancer sur ce pont, vous voyez quelques échoppes autour de vous. Mais bon, les vendeurs ont pas... c'est pas du tout les vendeurs là, à crier. Vraiment, l'ambiance est très morose, hein, c'est très maussade. Non, pas lourde, c'est pas une ambiance lourde, hein, pas du tout, mais c'est morose, voilà, c'est bon, c'est... On est là parce qu'il faut être là, donc vous voyez quelques étalages de pêchons, comme on dit, du poisson, pardon, et du... Enfin voilà, des petites étoffes, des choses comme ça, des petites choses commerciales comme ça, mais bon, c'est très 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 calme, vous voyez quelques badauds qui regardent un petit peu en passant, qui achètent quelques légumes, bon, bref... Est-ce que vous avez une envie particulière de faire quelque chose sur ce pont, ou est-ce que vous voulez continuer directement jusqu'à l'entrée de la cité intérieure? Est-ce que vous avez un désir particulier? Voulez-vous acheter quelque chose de spécial, chercher, ou... Bon, je pense qu'on va y aller, hein. Ouais. Moi, je traverse le pont. Comme je ne suis pas spécialement habitué aux villes où il y a beaucoup de monde, j'ai tendance à saluer toutes les personnes que je croise, je m'incline... En face de chaque personne que je croise, tout en avançant sur le pont. Et une fois que j'ai bien avancé sur le pont, une fois encore, je me retourne et j'ai un regard un peu inquiet, car cela fait quelque temps que j'ai toujours pas entendu Jean Edmond. Est-ce qu'il est bien avec nous? Il est toujours derrière, il suit. Je souris et... Vas-y. Non, je souris dès que je l'aperçois et je reprends ma marche. Quand tu salues les passants, encore une fois, oui, c'est vrai que c'est plus de gens que ce dont tu as l'habitude, toi, dans tes montagnes éloignées, loin là-bas. Mais ça reste encore une fois, c'est assez clairsemé quand même, malgré tout. Hein, c'est pas du tout... Tout le monde se colle pas les uns les autres. On n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de distance sociale, quoi. Ça va, quoi. Et donc, quand tu salues les gens, des fois, t'entends des voix du genre... Enfin, t'entends des trucs comme ça. C'est ce truc-là qui dit bonjour et qui... Enfin, bref. Mais dans l'ensemble, voilà, les gens, parfois on te rend le salut avec un regard légèrement qu'est-ce qu'il veut lui, enfin tu vois. Et donc vous continuez comme ça. Ouais. Vous m'avez dit que vous continuez, hein, j'oublie pas un truc en route là parce que je... jusqu'à. Non, on continue. Vous continuez donc, bon. À part vous qui salue tout le monde, on continue. Vous arrivez donc à la sortie du pont, donc, et à la sortie du pont, bah, vous vous retrouvez encore une fois dans un ensemble de bâtisses assez disparates comme lorsque vous étiez entré. Donc en fait, des deux côtés de la rive du Mégalé, hein, si je dis pas de bêtises, oui, c'est le nom, du deux côtés de cette grande rive, de ce fleuve, en fait, bon, on a à peu près le même style de construction, le même style de faubourg, comme ça, c'est assez disparate. Mais derrière ce faubourg, assez rapidement, donc vous arrivez à une grande muraille comme ça qui entoure
cette espèce de colline, et avec une énorme porte, une énorme porte d'acier qui ferme cette muraille, et donc quelques garnisons, quelques lieux militaires tout autour, avec vous voyez donc des patrouilles qui passent de temps en temps. Sans porter attention à vous. On vous regarde, tout ça, mais bon, pour l'instant, pas de choses particulières. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je me tourne vers Gradule et Jean Edmond. Je ne connais pas cette région et ni cette ville. Vous savez si cette cité, cette région est paisible ou est-ce qu'il y a une guerre? Je peux répondre pour toi si tu veux, Gradule. Et en fait, hein, cette région est vraiment paisible. Hein. Il y a pas de, pour l'instant, rien de spécial. Ça peut être une ville frontalière. Hein. C'est vraiment une ville qui marque, vraiment la frontière. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de conflit, pas d'échafaudés à vos connaissances. Merci pour cette précision, Gradule. il peut répéter s'il veut. Il peut le répéter avec ses mots s'il a envie. Non mais c'est... Mais de toute façon, Gradule pourrait pas non plus beaucoup en savoir plus. Mais disons que en fait, de vous trois, oui, il y a que Wu peut-être. Oui, il y a que Wu qui peut, oui, en effet, se demander s'il y a vraiment des guerres, des machins, des conflits ici, parce qu'il vient vraiment d'assez loin. Mais en fait, non, il n'y a pas de. Pour les trois autres, vous savez que non, c'est pas un endroit. La présence des orques quelques jours auparavant, d'ailleurs, vous questionnez un petit peu quand même malgré tout. Quoi. Okay. Après, bon, c'est vraiment une raison, c'est vraiment aussi un coin assez désertique, voilà, on peut pas tout. L'Empire elle-même ne contrôle pas, avec des troupes, ne contrôle pas tous les endroits, tous ces endroits-là. Tout le temps, donc bon voilà quoi. Mais bon, voilà tout ce que je peux dire. Est-ce qu'on ne voit que des humains ou est-ce qu'il y a d'autres races qui vivent dans cette cité? Vous voyez quelquefois, vous voyez beaucoup d'humains, a priori plutôt des humains, mais bon, bah, de temps en temps, vous voyez des nains ou naines qui marchent, semblent être plutôt commerçants. Vous ne voyez pas d'elfes autour de vous pour l'instant. Voilà, donc c'est. Voilà, la population est plutôt humaine, mais bon. Quelques nains, oui, parce que bon, on est quand même proche de régions montagneuses malgré tout, donc voilà. Et donc je suppose que la présence de Mézaret doit pas passer inaperçue. Effet, un grand gaillard comme ça. Surtout que j'ai mon cheval. Ah oui, en plus tu as ton cheval, c'est vrai. Évidemment un grand gaillard comme ça avec le cheval, non, ça passe pas inaperçu. Encore une fois, mais ça reste quand même de l'ordre de bon, les gens jettent des regards un petit peu pas apeurés ni quoi que ce soit, mais des regards un petit peu comme ça. Bon, lui, il est pas de chez nous, celui-là, enfin tu vois. Mais en même temps, ça reste, vu que c'est une ville quand même malgré tout, il y a énormément de passages, etc. Ouais, c'est un pont. C'est quand même une grande ville, c'est pas non plus le petit village, c'est la plus grosse ville du coin, quoi, hein, il faut le dire. Donc bon, bah voir un demi-ogre sur un cheval, bon, oui. En plus, encore petit rappel, hein, Des beaux habits. Tout à fait, petit rappel, les demi-ogres dans le monde de Pangée, donc le monde de Julien Dutheil, j'ai oublié de dire que le scénario était de Julien Dutheil. Donc les demi-ogres peuvent être assez subtils. Normalement, ils vivent en tribu, etc. Mais ils peuvent être assez raffinés. C'est pas du tout les gros monstres, tout caché. Enfin, c'est pas du tout ça. Donc de fait, bon, ça va, ça surprend. Ça, disons que les gens regardent comme ça, mais ça les surprend pas non plus, quoi. Ça fait partie, bon, voilà, ça fait partie un peu du truc, quoi. Et est-ce qu'on aperçoit des bâtiments spéciaux qui dépasseraient ou qui seraient, qui auraient une certaine allure ou quelque chose, des choses un peu marquantes qui sont différentes des habitations sur le pont lui-même? Non. Par contre, après, en sortant du pont, dans ce fameux faubourg dont je parlais, aux alentours justement de ce grand mur qui entoure la cité intérieure, donc, vous voyez, oui, des bâtiments qui ont l'air un peu plus huppés. On le voit un petit peu en petit crobard, de rien du tout sur mon dessin, mais oui, une architecture quand même. Ouais, on a des architectures un petit peu plus travaillées, moins rudimentaires, moins. Ça c'est clair. Vous voyez, quand vous arrivez dans ce. Sur le
le rempart, il y a quoi? Il y a une porte vraiment... Ouais, grande porte massive, gardée, etc. On peut pas la louper, d'accord. Ah, il y a des gardes quoi. Ah oui, comme je disais, il y a des garnisons, il y a des troupes, etc. autour, qui patrouillent, tout ça, ouais. Mais on s'approche d'un des gardes. Voilà, vous approchez d'un, très bien. Pardon, t'étais en train de parler, désolé. Non, pas du tout, vas-y. Vas-y, bah tu t'approches d'un garde, vas-y, bah, je t'en prie. Donc il te regarde, il salue de la tête. Bonjour, nous sommes à la recherche de Naleos, un officier de la garde. Naleos, oui. Et ben Naleos, il doit être justement dans sa cabine, pas très loin d'ici. Je peux vous accompagner si vous le désirez, vraiment le rencontrer. Ça nous ferait très plaisir, mon ami, très plaisir. Nous vous suivons. Très bien, regardez, c'est par ici. Donc il vous conduit comme ça jusqu'à un bâtiment militaire pas de ouais. Enfin, voilà de voilà où se retrouvent un peu les officiers, etc. Donc sans vraiment chose spéciale dessus. Et donc il vous mène jusque là, il vous dit d'attendre dehors. Attendez, je vais voir s'il est là et je vais voir s'il peut vous recevoir. Et donc il rentre dans le bâtiment. Au bout de 5 minutes, il ressort. Il est ok, mais par contre, faudra peut-être laisser les armes à l'entrée, messieurs. Difficile, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un râtelier ou oui, juste là. Nous vous, sommes voilà, sûrs c'est, de. C'est à côté des okay. Vous voyez les parapluies bah, ouais, c'est juste à côté. Ok. Et là, je regarde autour s'il y a quelqu'un qui surveille. Oui. Il y a dans l'entrée. Oui, il y a des planctons qui sont là, qui sont okay. Juste là, etc. Oui. Non. Il y a pas. Tout est sécurisé. Il y a pas de. Vous avez regardé okay. Même au niveau, entre guillemets, de la faune, c'est-à-dire au niveau des personnes qui sont dans ce faubourg, vous n'avez pas remarqué de personnes je crois qu'il serait un peu bizarre ou quoi que ce soit, vous n'avez pas vu... Enfin voilà, okay. c'est très calme, c'est très très sécurisé, il n'y a pas de problème. Ok. Bah moi je dépose toutes mes armes. Du coup, j'ai laissé mon cheval à l'entrée. Mm-hmm. Je ne suis pas rentré avec, donc je l'ai attaché quelque part, et je retire... mon épée de ma ceinture et je l'attends au garde qui s'en occupe en lui disant faites attention mon brave, c'est une épée ouvragée de ma maison familiale, j'aimerais qu'il ne lui arrive rien. Ah, ouais. J'en prendrai soin. Et je m'en vais. Et j'en prendrai soin. Et donc vous merci. Vous suivez le jeune garde qui vous avait conduit jusqu'à là, qui vous amène jusque dans une salle, pas vraiment une salle d'entraînement, mais quelque chose qui serait proche de ça. C'est le genre d'endroit de détente, on va dire, de certains gardes, etc. Et donc, justement, il y a là un type assez baraqué, assez grand, évidemment armé et avec quelques protections autour de lui, et enfin je veux dire armure, etc. Et donc mais vraiment très très imposant, et je vais donc mettre la petite image sur le Discord avant de continuer. Une image. Ah, puis il y a quelqu'un qui a fait un joli croquis que je n'avais pas vu entre temps sur le Discord, donc je me gourre pas, donc voilà, c'est cette image. Je vais regarder en même temps la petite image qui a été faite. C'est super, ça, en plus. Ah, bah, c'est bien. On a. Oh là, c'est hallucinant. On a même Scriff qui fait des dessins en même temps. La folie. Et donc, on a les joueurs qui dessinent en même temps, tellement ils sont. Ah, excellent, bravo Scriff. Et donc, vous voyez, donc, c'est ce type imposant. Et donc, vous voyez. Non. Et donc, vous voyez ce. C'était pour éviter de s'endormir. C'était. Vous voyez ce grand type là, comme ça, ce grand militaire, et vous voyez que sa peau est légèrement bleutée comme ça, et vous voyez donc de petites cornes comme ça qui sortent un petit peu de ses cheveux. Donc, bon, pour ceux qui. Enfin, est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça pourrait être? C'est un tieflin. Voilà. Mmh. Vous êtes là, vous tous, hein, vous percutez que c'est un tieflin. Est-ce que vous, les joueurs, vous savez ce que c'est? Vous quatre, vous savez ce que c'est? Ou vous voulez que je vous fasse un petit rappel? Je veux bien un petit rappel rapidement, désolé. Bon, ouais. Le tout public a besoin d'un rappel sur le sujet.
Ou à moins qu'Agneau veuille faire ce rappel pour moi, puisque avec ça, peut-être que tu le sens encore mieux que moi, non? Je sais pas. Bon, tu veux que je le fasse? Non, vas-y, vas-y, t'as l'air. Bon. Un tiefelin, c'est une créature humanoïde qui a une ascendance, comment on dit, non, je dirais pas démoniaque pour pas faire un mot trop fort, mais enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est généralement des créatures qui ont une ascendance de démons. Voilà, de démons et autres. Mais après, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément malfaisants ni quoi que ce soit. C'est, voilà. Donc, a priori, celui-là semble avoir réussi à monter quelques échelons militaires. Il vous accueille, il vous regarde, oui, donc il est en train de se rattacher un petit peu comme ça, un morceau d'armure. A priori, il s'est peut-être un petit peu entraîné un petit peu dans cette petite salle d'entraînement qui est vide d'ailleurs, hein, il n'y a que vous qui êtes à l'intérieur. Il vous regarde, il vous toise comme ça d'un regard comme ça, messieurs. Vous me cherchez? Vous cherchez à me parler? Oui, tout à fait. Mes compagnons et moi sommes à la recherche de membres de l'Ordre Rouge qui seraient passés vous voir il y a peu. Nous sommes passés donc au Tabar Pourpre et votre nom nous a été donné. Mon nom vous a été donné dans cette auberge du Tabar Pourpre. C'est assez étonnant ce que vous me dites, mais pourriez-vous d'abord vous présenter, messieurs? Vous me connaissez, mais je ne vous connais pardon. Absolument pas. Je suis moi-même Mézéret de Persemont. Et je vais laisser mes amis se présenter eux-mêmes. Et je me présente, je suis Gradule Maître Nain. Et je fais une grande révérence. Moi, j'attends que Jean-Edmond se présente. Et pour ma part, je m'appelle Jeanne. Enchanté. Et moi, je regarde l'homme d'armes et je dis « Ouh !» et je m'incline et je lui tends la lettre de mon mentor. Et il regarde la lettre et il te demande « Qu'est-ce ?» Il s'agit d'une lettre de mon mentor m'invitant à le rejoindre. Voilà, cette lettre est une lettre d'introduction vous montrant pas. Notre lien avec l'Ordre Rouge. Attendez, vous me parlez d'abord, premièrement, je ne fais pas partie de l'Ordre Rouge. Je ne sais pas pourquoi vous venez vers moi pour nous me parler. Et ensuite, vous me tendez une lettre à propos de votre mentor, mais je ne sais alors, pas. Alors, je vais essayer de vous résumer parce qu'en effet, c'est un petit peu compliqué. Alors, il se trouve que nous avons suivi nos mentors qui nous ont appelés et qui nous devaient nous faire l'entrée dans l'Ordre Rouge. Mais voilà qu'ils ont disparu. Nous sommes à leur recherche. Et ça fait plusieurs jours qu'apparemment, ils ont disparu, nous n'arrivons pas à le retrouver, et la seule trace que nous avons est cette auberge, cette taverne dont vous a parlé mon compagnon. Et là, nous avons parlé avec l'aubergiste, il se trouve qu'il les connaît bien, qu'il connaît bien ses mentors, et il nous a indiqué qu'avant de disparaître, qu'avant de ne plus les revoir, nos mentors lui avaient parlé avec vous-même. Montrez-moi et votre donc, montrez-moi votre document. Là, il dit ça à où montrez-moi mais votre tout document. De suite, mon ami. Et vous en avez tout aussi de suite, mon ami. Et je... Là, c'est la lettre. Lettre. Il regarde. Je lui tends le mien. Il regarde vos lettres comme ça. Il vous les rend. Il vous les tend comme ça, d'un air assez martial comme ça. En effet, j'ai eu la visite de vos mentors. J'ai eu la visite. C'était en effet, un homme assez âgé, portant rapière à ses côtés. Il y avait une femme de fort tempérament, que j'ai d'ailleurs appréciée. Et il y avait aussi quelqu'un qui vous ressemblait un peu, monsieur, avec des yeux assez originaux et exotiques, comme vous. Oui, en effet, je les ai vus. Ils sont venus il y a quelques jours ici, en effet. Je ne sais plus trop quel jour, mais c'était... Oui, il y a quelques jours. Vous avez tout à fait raison. Ils m'avaient dit qu'ils faisaient partie de l'Ordre Rouge. Mais je ne pouvais rien vous confirmer sans que vous me montriez patte blanche, d'abord. Que m'avait-il dit ? Il m'avait dit qu'ils étaient donc en mission pour l'ordre, c'est vrai.
Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin de rentrer dans la cité intérieure pour cela. Mais comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, pour rentrer dans la cité intérieure, il faut un laissez-passer qu'ils n'avaient pas. Donc ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Mmh. Étant donné que j'ai déjà offert quelques aides aux membres de ce grand ordre rouge dans le passé, ils étaient venus vers moi pour cela. Et je ne pouvais évidemment pas leur attribuer aucun laissez-passer, ce n'est pas du tout mon rôle ici, ce n'est pas je ne suis pas attitré pour cela. Je les ai donc envoyés vers Perjala, à la maison du conseil. Vers Perjala qui justement s'occupe de toute cette partie administrative. Et c'est vers elle que je les ai envoyés. Il est vrai que maintenant que vous m'en parlez, c'est vrai que je ne les ai pas revus depuis. Mais bon, après tout, ils n'avaient peut-être aucune raison de m'en retrouver après. Mais c'est vrai que je n'ai pas reçu, c'est vrai que je n'ai pas entendu qu'ils étaient ressortis de la cité intérieure, ce qui est quand même assez bizarre. Peut-être qu'on ne m'en avait pas informé, c'est vrai que j'ai un peu oublié après. Ils ne seraient donc pas sortis ? Je ne sais pas. Je pourrais toujours m'enseigner. Nous vous serions tous très gré, je pense, si vous pouviez effectivement avoir quelques renseignements, et nous allons nous diriger vers les mêmes individus qui pourraient nous fournir un laissez-passer. De toute façon, mes amis, ils vous appellent pas mes amis. De toute façon, messieurs, on est sympathique, sympathique. Oui, bien sympathique. Oh, mais je crois que nous allons frayer. Non, c'est pas du tout ça. Non, messieurs, de toute façon, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur leur rentrée et leur sortie de la cité intérieure, la maison du conseil où vous allez aller maintenant est le meilleur endroit pour avoir ces informations. Ma foi, je n'ai même pas besoin de... D'accord. Je vous remercie, messieurs. Je ne vous retiens pas. Et où se trouve cette maison du conseil ? Ah, je pense que le jeune soldat qui vous a conduit ici pourra vous y conduire sans problème. Vous ne pouvez pas le louper de toute façon. C'est un grand bâtiment. C'est notre bâtiment administratif principal de Nordpont. Vous ne pouvez pas le louper. Mais par acquis de conscience, je peux demander aux soldats de vous accompagner jusqu'à là-bas, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Je sors également. Vous sortez, donc il donne l'ordre à un soldat de vous accompagner jusqu'à la maison du conseil. On vous rend, évidemment, vous reprenez vos armes, etc. Sans problème, absolument aucun problème. Vous continuez donc de marcher, vous continuez de marcher donc dans ces faubourgs, de Nordpont, toujours plus ou moins proche de cette muraille qui donne accès à la cité, à la fameuse cité intérieure. Et donc vous arrivez enfin devant la maison du conseil. Et il y a pas mal de gens à l'intérieur dans cette maison. C'est vraiment, c'est vraiment le lieu administratif principal de la ville. Donc pas mal de gens en train d'attendre, en train de faire la queue devant des bureaux, devant des etc. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu machin. Bon, il y a toujours des soldats et des gardes hein, qui regardent autour s'il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais bon, donc l'ambiance c'est comme ça un petit peu plus nerveuse, mais en même temps voilà, tout le monde a l'air là avec des gens qui ont des parchemins rouleaux dans les mains, tout ça, en train de se... ça fait quand même 2 heures que j'attends et normalement j'avais rendez-vous, enfin bref, c'est comme ça, donc voilà, et on vous appellera quand ce sera votre nom, enfin vous entendez donc ce genre de voix et toutes ces choses là et donc bon, il y a en tout cas à l'entrée, il y a donc une personne qui est là, qui regarde les documents, qui dit vers quel bureau aller, etc. A priori, c'est vers cette personne-là qu'il faut d'abord se présenter, semble-t-il. Alors, que décidez-vous ? Est-ce qu'on peut demander aux gardes si on peut switcher la queue ?
La queue, ça va, c'est pas très. C'est pas. La queue à l'entrée, enfin, je veux dire, la queue à l'entrée, ça va. Alors, vu qu'on est en fin de matinée, déjà, la plupart des gens qui avaient Alors, des choses à faire sont déjà. pour que l'attente soit moins longue, je sors ma viole de gorge et je joue. Je fais un petit peu de musique, j'en Eh profite ben, tu vas me pour faire. égayer un peu On va le. regarder la qualité de ta prestation, mon cher Gradule. Ah oui. Pour ça, c'est quoi alors? C'est. Représentation. Représentation, hein, c'est ça, représentation. Allez, vas-y. Oh, ben, c'est toi, Gradule. Performance. Hein. Est-ce que tu chantes aussi, Gradule, en même temps que tu joues? Sure. Combien tu as fait? 11. 11? Tu as fait 11, hein. Ouais, ok. J'ai fait 11. C'est appréciable, mais c'est appréciable, hein. Mais disons qu'au bout de 10 Pas dans ma minutes, meilleure forme, oui. il y a un soldat qui vient vers toi et qui fait excusez-moi, monsieur, mais pourriez-vous arrêter ou pourriez déranger notre clientèle? C'est qu'on s'ennuie à mourir ici, on Oui, mais attend non, mais 10 regardez, c'est heures, bientôt votre on tour est là. pile Regardez, abominable. en effet, votre tour arrive, donc voilà, et vous retrouvez donc devant le guichet donc de réception, dans la réception comme ça avec une femme qui vous regarde. C'est pourquoi. Honorable Mézérette. Je ne m'appelle pas Mézérette. Et dites d'arrêter de m'appeler honorable, venez tout de suite au fait de votre visite, messieurs. Je m'approche de mes arêtes, je lui parle à l'oreille. Je crois, Pas de Mézérette, messe basse. Donnez-moi tout de suite la que raison de pour votre visite, nous n'avons point le temps. Regardez derrière vous, il y a des personnes qui attendent. Et vous regardez derrière vous, il y a personne qui attend. Donnez-moi la raison de votre visite. Donnez-nous des orques. Joanne, non, pourriez-vous discuter avec cette personne concernant la raison de notre Je crois que c'est le mieux. visite? Madame, nous Vas-y. venons chercher des laissez-passer. Ne soyez pas si nerveuse. Vous êtes en Nous voudrions groupe? jusqu'à te laisser passer. Vous êtes en groupe? Oui. Pour les Oui, nous laissez-passer. quatre, nous sommes en groupe. Pour les laisser passer, il faut faire une demande à l'avance de 10 jours ouvrés. Non, 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 nous sommes quatre groupes de haine. Nous sommes quatre groupes de haine. Nous sommes haine fois quatre. C'est pas un problème. Ça ne change pas au délai de la livraison des laissez-passer pour la cité intérieure. Madame, nous travaillons pour l'Ordre Rouge et nous avons un Vous besoin travaillez urgent de pour passer ce l'Ordre petit. Rouge. Eh ben, ma foi, vous n'en avez point Oui. l'air. Auriez-vous une quelconque preuve que vous travaillez pour cet ordre? Et de toute façon, Ordre Rouge ou pas Ordre Rouge, vous ferez la queue comme tout le monde. Oui, mais nous venons de faire la queue et là nous avons besoin Non! d'entrer pour enquêter sur la Ça, disparition c'était de pas la membres de queue, l'ordre. ça. Ça, c'était la politesse. La queue, c'est après. Alors, Oh là là. je voudrais essayer de la charmer, c'est-à-dire de prendre ma voix comme ça et de lui dire, Madame, je vous comprends, vous savez, votre métier est très difficile. Je comprends que pour vous, c'est une énorme tâche, une vraie responsabilité. Et je lui parle comme ça, avec beaucoup de fleurs dans la voix, en m'accoudant comme ça et en la regardant comme ça, très profondément dans les Pourriez-vous yeux. venir au fait? Mais Est-ce que vous... madame, le fait c'est que je sais que vous pouvez vraiment nous faire plaisir et nous faire avancer. Vous êtes très important, vous savez, très importante, vous savez, pour Qu'elle est ravissante. notre tâche. Et vos yeux me disent que vous avez ce charme infini. Tu vas me faire un petit jet Je le de savais. persuasion. J'attendais. Un petit jet de Alors, persuasion, parce que. Et je j'espère que compte tout t'as. sur toi, Grat. C'est quoi? Punaise, Punaise. Allez, fais-nous quelque chose de bien. Attends, persuasion. C'est ton moment, Grat, c'est maintenant, c'est now, c'est le moment clé, le moment charnière de l'histoire. Je prends en persuasion Ah alors, putain, attends. mais moi j'ai un avantage en persuasion, j'aurais Ah dû le ben, fallait faire. y penser avant. Fallait y penser avant! 18, bim!
Boum ! Ok, j'entends, j'entends. Vous n'êtes pas d'ici et vous avez besoin de se laisser passer prestement. Vous comprenez tellement bien, madame. Il se pourrait que je... Peut-être que Dame Periala, pardon, pourrait vous recevoir, mais il faudra être d'une infinie patience. Elle est extrêmement occupée. Nous serons patients autant qu'il faudra. Vous êtes... C'est tellement incroyable ce que vous faites pour nous déjà. Vraiment. N'en rajoutez pas, mon ami. N'en rajoutez pas. Ça va bientôt être l'heure de ma pause déjeuner. Donc, pas je la vous peine. Comprends. Et la pause, c'est sacré. Alors là, je vous comprends. La pause. Alors. Ne surtout pas vous faire. Vous voyez l'escalier là-bas, au fond du couloir. Vous allez le prendre. Vous allez monter à l'étage. Ouais. Et là, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous allez voir environ plusieurs dizaines de personnes en train d'attendre en s'engueulant. C'est ici. Vous faites la queue et vous attendez votre tour. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais manger. Bonne journée, et là, madame. Elle baisse un rideau, clac, comme ça. Et, vous la voyez sur le côté se barrer comme ça. Et sans rien dire, sans même vous regarder comme ça. Moi, j'avance et je me tourne vers mes compagnons et je leur dis « Mes amis, est-ce que nous n'essayerions pas, n'essayerions pas d'aller plus vite en nous faisant passer pour des membres de l'Ordre Rouge en mission et en disant que nous avons besoin de voir Dame Periala en priorité ?» Mon cher ami, j'ai peur que nous soyons pas très crédibles dans ce rôle. Je comprends, hein. Je comprends ton impatience, mais je suis pas sûr que nous soyons capables de passer pour des membres de l'Ordre Rouge. Et surtout si on en croise un vrai, nous le perdra tout de suite. Ça serait une bonne idée de falsifier l'identité de membres de l'Ordre Rouge. On aurait dû récupérer des tabards à l'auberge. Mais Zeret, le don de vérité est un don qui surpasse tous les autres. C'est bien vrai, mon très cher Wu, mais la patience ne fait pas partie de mes qualités. Raison de plus pour le travail, mes arrêtes. Super. Ou alors, si tu veux, peut-être que vous pouvez, tu peux partir autre part dans la ville, visiter, peut-être chercher d'autres informations ou quoi que ce soit, et moi je fais la queue et j'attends. Ça ne me dérange pas. Je vais jouer de la musique, je vais lire un livre. Ça ne me dérange pas. Si tu veux, si tu préfères, tu peux peut-être choisir une autre voie pendant que nous on fait la queue et puis on se rejoint à la taverne, par exemple. Il nous faudra tout de même un laissez-passer. Je ne sais pas si elle me le délivrera alors que je suis absent, donc je vais rester avec vous. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est pas faux. Tu as raison. Je crois que tu as raison. Vous montez à l'étage. Nous allons attendre. Vous montez à l'étage, donc vous arrivez à l'étage, et donc en effet, vous voyez énormément de personnes en train d'attendre nerveusement sur des bancs en bois, comme ça, des petits bancs en bois qui font mal aux fesses et tout là. Et donc tout le monde est avec ses Je m'assois. Pardon? Je m'assois sur un des bancs. Tu t'assois, oui, non, il n'y a plus de place pour s'asseoir, malheureusement. Il y a vraiment toutes les places sont prises pour l'instant. Tout le monde est en train d'attendre, devant un bureau comme ça. Et puis, donc vous êtes debout dignement, vous regardez un petit peu qui rentre et qui sort. Et en fait, c'est très, 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 très lent. Donc vous voyez, au bout de peut-être 20 minutes, vous voyez une personne enfin sortir. Du bureau, une autre rentrée en se disant vous allez voir quel bois je me chauffe. Enfin, et donc il rentre comme ça, voilà, et puis la porte se referme, etc. Vous en avez au bas mot, a priori, à vue de nez, vous allez en avoir pour 3 bonnes heures d'attente. Mais en même temps, comme qui dirait, il y a du monde qui commence aussi à. Enfin, il y a du monde qui risque d'arriver derrière vous par la suite, donc il faut peut-être mieux pas. Est-ce que les gens rentrent parce que c'est premier arrivé, premier servi comment ça se passe? Ah non, premier arrivé, premier servi, ouais. Qui entre? Non, tout le monde fait la queue et c'est le premier de la queue qui rentre. Tout à fait. Ah oui. Sinon j'allais dire je les bouscule et je rentre, j'en ai rien à foutre. Non. Mais non. Ça se passe pas comme ça, enfin, tu peux essayer, hein. C'est comme tu le sens. Hein. Après plus, je fais 130 kilos et 2 mètres. Et
puisqu'on est à l'étage, donc que le garde du rez-de-chaussée n'est plus là, je ressors mon instrument et je me remets à jouer pour passer le temps. Très bien. Et je chante, moi, je chante pour l'accompagner. Mais Très bien, très bien. Bah, vous avez tout le temps faire. Oui, vas-y, vas-y, Jean-Edmond, oui. Non, non, moi je m'assois par terre et je sors un livre pour en attendant. Très bien. Et toi, où tu veux faire un truc spécial? Je pensais que mes camarades étaient ennuyés de faire la queue, mais apparemment ils ont l'air de s'occuper. Donc je m'assois à côté de Jean-Edmond et je me mets en position du lotus et je commence une profonde méditation. Ok. Est-ce que tu fais du genre pendant que tu fais la méditation, tu vois, est-ce que tu fais ça ou tu le fais en silence? Bien sûr. Alors c'est comme tu le sens. Si tu sens que c'est mieux que je le fasse, je le fais. Ah mais moi c'est toi qui vois, c'est toi qui me dis, je veux juste savoir. Moi je trouve qu'il faut que tu fasses des bruits de bouche. Il faut qu'on soit les plus chiants possibles pour que les gens se barrent. Quand vous dites oui, effectivement. Mais quand vous dites je crois que c'est donc Gradule et Meseret qui vont faire une représentation, donc il y en a, Meseret va chanter et Gradule va jouer un petit peu. Vous voulez faire en sorte que ça soit pour que les gens se barrent ou pour que les gens au contraire En fait je vais pas jouer mal parce que je n'aime pas jouer mal, c'est simplement que je vais jouer un truc répétitif, c'est toujours le même truc, le truc bien détend, le truc bien au bout de 10 fois t'en as juste ras-le-bol. D'accord, très bien. Et moi je vais chanter sur l'air une chanson paillarde histoire que ça fasse bien relou. Ah, donc vous chantez, vous faites une vieille comptine qui fait. Et j'ai fait 15. Non, mais de toute façon, enfin là, j'ai compris le but du jeu, c'est de faire un truc, une rengaine qui tétant, tout ça. Donc tu fais pas besoin de faire un jet, de toute façon, soit vous réussissez à faire un truc en tétant, soit vous faites un truc de toute façon nul à chier. Donc de toute façon, dans les deux cas, ça. À un moment où l'objectif est atteint. L'objectif sera atteint d'une manière ou d'une autre. Et donc vous chantez une vieille comptine, que onk, bon, j'aime bien le dire le mot onk, autrefois, toi, donc mes arrêts, tu avais entendu, comme ça, une comptine sur Norpon, ça faisait la ville de Norpon, pompon, où quatre nous irons, ron ron, pour aller voir Madame Pierre à la à Norpon, pompon, et en même temps, t'essayes de faire que tout le monde dise pompon, à la ville de Norpon, pompon, où quatre nous irons, ron ron. Beurre, aller voir eux, nanana, Léo. Enfin bref, donc tu chantes comme ça avec les noms de ce que tu as rencontré, comme ça. Au bout de, il en faut pas plus, hein, au bout du quatrième couplet, tout le monde en a vraiment ras-le-bol. Et ferme, on peut pas s'entendre réfléchir. Enfin, ça commence à s'énerver. Là, il y a une porte, qui est la porte devant laquelle, la porte du bureau pour laquelle vous attendez. S'ouvre, et là vous voyez donc une femme à peu près la quarantaine, très très martiale, athlétique, tout ça, qui passe comme ça la tête, hein, et qui dit comme ça: vous allez vous taire, oui? Qu'est-ce que vous faites? J'arrête tout de suite. Ah madame, justement, nous voulions vous voir. Eh bien vous ferez la queue comme tout le monde, et si vous pouviez arrêter de faire ce boucan, sinon j'appelle les gardes. Allez. Qui a dit ça? Ce truc. Ils sont tous partis, il n'y a plus de queue. Mais non, il y a encore du monde, mais là il y en a encore pour, encore pour deux petites heures d'attente. Et donc là elle referme la porte, bam, comme ça. Et donc non, elle fait mieux en fait. Elle vire le type qui avait à l'intérieur, hop, comme ça, elle le prend par les épaules, puis elle le fout dehors, elle dit suivant. Puis là, dès qu'elle dit suivant, t'as celui qui était là. C'est un petit mec tout maigrichon qui se lève. Oui, madame. Bonjour, madame. Enfin bref, qui rentre comme ça. Et qui rentre. Et donc, paf, elle referme la porte comme ça. Schlaka. Et donc, ma foi, vous êtes là. Bon, cette fois, vous avez de la place pour vous asseoir. Évidemment, il y a un petit peu moins de monde. Bon, j'ai une autre idée. Ouais, vas-y. Je vais utiliser prestidigitation pour qu'une odeur nauséabonde emplisse la salle. Eh bien. Pas mal. Est-ce que... Oui, il n'y a pas d'indication sur la zone, tout ça. Oh. Bon, on va dire... Oui, de toute façon, c'est un couloir, malgré tout, assez exigu. Donc, on va dire que ça va... Dans une petite zone. C'est un tour de magie, hein. C'est ça. Hein. Donc, t'as pas besoin de faire de jeu. Ouais, c'est ça. C'est un tour de magie.
Et c'est, bah écoute, tu, c'est la prestidigitation, donc une odeur assez nauséabonde. Bon, c'est pas non plus, ça va pas non plus être la boule puante. Hein. C'est, oui, c'est pas un charnier, mais. Et donc, tu, juste ça pue un peu. Donc quoi. Tu murmures comme ça, enfin, je sais pas s'il y a une incantation, mais bref, tu murmures le truc. Ouais, ouais, si je parle et je fais un petit geste avec mes doigts, mais je le fais en toute discrétion. Et donc là, t'as tout le monde qui est en train avec les parchemins, les reliures comme ça de velin, etc. En train de regarder, puis bon, ça c'est là, il y a quasiment plus de bruit quoi. Puis à un moment, tout le monde se regarde un petit peu comme ça. Il y a des mecs qui... Ouais, non, c'est pas moi, c'est... Donc en fait tout le monde se regarde en se demandant mais qui a pété quoi. Et donc à un moment tous les regards se tournent vers Meseret. Oui c'est le plus effectivement. Non c'est pas moi. Tu dis non, ça, tu dis non c'est pas moi. J'ai été suffisamment malin. Pour non, faire mais... l'honneur loin de moi. C'est pas tant que ça soit. D'une part, oui, tu peux choisir, je crois, la zone d'où ça part, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est oui. Juste, c'est juste purement, tu sais, parce que bah il y a un grand gaillard de 1 mètre et quelques, demi-ogre. Je suis désolé de le dire, mais il y a un peu de ça quand même, quoi. Donc tout le monde se tourne vers toi un petit peu, quoi, en se disant. Donc il y a du potentiel. Et puis bon, donc t'en as qui se mettent un peu la main comme ça sous le bras pour pouvoir plutôt sentir leurs aisselles, tu vois, parce que... Ou alors plutôt, quand je vois tous ces regards, je souris et je fais « Et c'est que le début !» Et là, t'as tous les regards qui se tournent vers toi, comme ça. Et là, il y a une voix qui fait « Peut-être que pour les peut-être dehors, pour faire ce que vous avez à faire. » Vous savez, les latrines, il y en a pas très loin dehors, donc vous avez qu'à sortir, et voilà, mais... Hein ? Puis il y a les autres qui font « Ouais, non, ouais, je vais ouais. faire la queue, je vais faire la queue, moi, je vais pas y aller avant qu'on soit passé. C'est à vous de voir. » Mais qu'est-ce que vous avez mangé ? C'est pas possible. Là, tout le monde se regarde en se disant « Merde, non mais s'il vous plaît, vous pouvez attendre dehors un petit peu, parce que ça louffe, quoi. » Désolé, mais bon, vous connaissez la règle, il faut attendre, donc attendons tous ensemble. Et je souris, et je maintiens mon sort. Tu maintiens, alors ça dure combien de temps le sort hein? Ouais, grave. Quitte à dire que je suis un noble, insupportable. Il dure... Ça dure combien de temps? Ouais, durer jusqu'à une heure. C'est vrai? Oui, ça peut durer une heure. Au bout de 15 minutes, tu t'envoies un qui attend, il a une moustache assez fournie, il était comme ça stoïque, puis un moment il se lève d'un seul coup, d'une façon tu sais, Dieu me parle quoi, il se lève d'un seul coup, puis tu vois il est un petit peu vert quoi, et puis excusez-moi, il sort de la pièce. Et toi, tu fais, ouais, à moi. Et donc voilà. Ouais, c'est là, ça. Moi, vraiment, je regarde mes amis, je t'en fais. Donc vous réussissez grâce à cette odeur, pas pestilentielle, mais assez prenante quand même. Mais vous réussissez. Bon, il y a quelques personnes. Tu l'as dit ? Oui. C'est pas très sympa pour tes compagnons non plus, parce que parce que vous-même, vous devez, bah, on va faire un petit jet quand même pour voir si vous pouvez tenir le coup. Hein. Donc vous allez. Mais non, j'ai choisi la zone. C'est pas là où. Ah ouais, on est, non, mais c'est un petit couloir. Queue. C'est un petit couloir et ça dure une heure. Je veux dire, ça reste quand même. Donc vous allez. À part Meseret, parce que c'est comme on dit, c'est celui qui l'a senti qui l'a dans le cul. Hein. Donc à part Meseret. Moi j'adore, à chaque fois dans mes jeux, à chaque fois dans mes parties, il y a un moment, il y en a un qui se retrouve avec plein de merde, il y en a un autre qui... Ouais, je vais faire comme si j'avais pété. Putain, mais du sérieux, les mecs, du sérieux. Bon, bref. Donc, vous allez me faire un petit jet de... J'imagine que ça va être force ou constitution, oui. Hein, constitution, ouais. Hein. Vous allez me faire un petit jet de constitution à part Meseret. Allez, un petit test de constitution, s'il vous plaît. Oh, 22. 22. C'est qui a dit pardon, c'est qui a fait 22? C'est moi. C'est bah oui, 19 plus 3. C'est Gradul pardon ou oui. Gradul oui, Gradul. Oui, Gradul. Donc Gradul là, tu as fait 22. Donc là vous voyez Gradul qui fait comme ça.
Même pas mal. avec quand même deux petites larmes, avec deux petites larmes quand même au coin des yeux, tu sais, mais ouais, non, pas de problème. Alors, non, après, c'est pas si mal, c'est intéressant. Ça c'était donc graduel. Combien a fait notre ami Wu? Eh bien, moi je suis en méditation, il y a ma narine gauche qui légèrement frémit. Et j'ai fait 16. Donc ouais, en même temps, cet acte a toujours... Oui, voilà, c'est exactement ça, t'as une petite... voilà. Ah. C'est bon, toi, tu sais pas... Oui, toi, ça t'embête pas. Et monsieur Jean Edmond? Et j'ai fait 11. Oui, ça va aussi. Ça te gêne un petit peu, évidemment, mais bon, ouais. T'arrives quand même à te concentrer sur les aventures de KPDP, de ton livre que t'es en train de lire. Ça va. Ça fait tousser un peu, quoi. Mais... Vous avez gagné quelques places, mais pas beaucoup. Mais bon, bref, vous finissez après une assez très très longue attente. Vous avez tellement attendu qu'en fait, il y a même des gens derrière vous qui sont arrivés, une espèce d'un autre arrivage du début de l'après-midi qui arrive. Mais bon, on vous ouvre à la porte donc du bureau, la porte s'ouvre et vous entrez donc dans un bureau. Pareil, là vous voyez donc des parchemins partout, je cherche le nom de ces vieux ouvrages, enfin bref, je sais plus comment on appelait ça, enfin manuscrits. Des manuscrits, des recueils de choses, des parchemins, des grimoires, voilà, je cherchais le mot, merci mon cher, et donc des grimoires, des choses comme ça, voilà, sur des étagères, des choses comme ça. Et vous voyez une table comme ça remplie de parchemins avec un vieil encrier, etc. Et puis vous voyez une femme, la femme que vous aviez vue passer la tête tout à l'heure, et je vais vous mettre donc son dessin sur le Discord. Je dis toujours ça pour les gens sur Twitch, pour leur dire, attendez, pourquoi que je m'arrête tout d'un coup alors qu'il y a déjà le dessin. Alors, pour les joueurs qui sont sur Discord, ou même pour ceux qui viendraient visiter sur Discord, voilà, je le mets, hop, et voilà. Et donc vous voyez une femme comme ça, donc qui arrive sur le Discord, voilà. Vous voyez donc une femme comme ça, vraiment, alors, avec des poils. Non, pas du tout, justement, pas du tout. C'est une femme, justement, on pourrait s'attendre dans ce lieu administratif, etc., à voir quelqu'un, vieux, gris, animation, non, mais pas du tout, c'est une femme, au contraire, très athlétique, donc la femme que vous avez vue tout à l'heure, en fait, c'est elle qui s'occupe, justement, de toute cette partie administrative, semble-t-il, très athlétique, avec même des protections en métal, etc., et qui donc vous regarde avec un regard comme ça, assez, très sévère même. Asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Je n'ai peut-être pas assez de chaises pour tout le monde, mais vous allez tout de suite me donner la raison de votre visite. Oui, madame. Bonjour. Nous venons parce que nous sommes pressentis pour rejoindre l'Ordre Rouge et que nos mentors qui devaient nous guider ont été portés disparus après avoir pénétré la ville intérieure. Donc nous sommes à leur recherche. La cité intérieure, pardon. Donc nous sommes à leur recherche et il nous faudrait des laissez-passer pour pouvoir rentrer. Alors, s'il vous plaît. Vu que sur le chat, certaines parlent de Brigitte Nielsen, je pense que je vais la faire avec un accent allemand. Ok. vous êtes venu au sujet de vos mentors. Que voulez-vous dire par là? Non. Oh putain. Il est trop bon ton accent. Nos mentors, des individus travaillant pour l'Ordre Rouge. Qui sont entrés en ville dans la cité intérieure il y a de cela moins d'une semaine et nous n'avons pas davantage d'informations sur eux. Avez-vous quelques documents pour montrer patte blanche? Oui, nous les avons. Et là, on sort à nouveau les lettres, j'imagine. Ouais, enfin, moi, je sors la lettre et je lui donne. Elle prend ta lettre, mais dank. Donc elle ouvre la lettre, n'importe quoi. Elle ouvre la lettre. Ouais, c'est là qu'on voit quand même que j'ai bien fait de voir tous les 7e compagnie, tout ça, pour faire l'accent comme ça, c'est quand même. Et donc elle ouvre les lettres, elle fait à chaque fois. Et montrez toutes vos lettres, s'il vous plaît. Bitte. Ah, oui. Bitte, ça veut dire s'il vous plaît en allemand. Bitte. Et... Bitte. Bitte, montrez-moi votre lettre. Montrez-moi vos documents.
Ah, ah, je vois. prends ma lettre et je prends la lettre aussi de Jean Edmond pour pas qu'il se dort, je prends sa lecture, il est juste à me donner le papier, comme ça je vois. Peut-être que votre ami pourrait arrêter de lire un instant. Merci. Pardon. Je vois. Oui, en effet, c'est tout à fait vrai que vos mentors sont venus me féliciter dernièrement de la part de Nalehos. Nalehos, en effet, il m'avait dit qu'il devait aller vers la cité intérieure pour une enquête, étant donné qu'il faisait partie de l'Ordre Rouge, malgré tout, il leur fallait un laissez-passer, comme n'importe quel étranger qui souhaite rentrer dans notre merveilleuse cité intérieure. Maintenant que vous m'en parlez, j'avoue que je leur avais procuré les fameux laissez-passer. Maintenant que vous m'en parlez, c'est vrai que je n'ai pas eu de nouvelles de leur sortie d'appui. Laissez-moi vérifier quelque chose. Attendez un instant. Et là, elle ouvre la porte, elle fait Clotis, Schnell. Et là, il y a un employé qui arrive comme ça et qui fait oui, dame, pariez là. Vous allez me regarder tout de suite les dernières sorties et entrées de ces derniers jours. Remontons à peut-être environ 5 ou 6 jours, mon cher Clotis. Et là, il dit ok, très bien, dame. Et donc, il repart comme ça. Que puis-je faire pour vous au-delà de ça, messieurs? Eh bien, nous aimerions des laissez-passer pour pouvoir enquêter à la suite de nos mentors, justement, s'il vous plaît. Je comprends le lien spirituel qui peut unir des mentors à leurs élèves, leurs merveilleux et à aimés élèves. Je dois vous dire que pour ces fameux laissez-passer, je peux en effet vous les procurer. Étant donné que je suis la personne en charge de cela. C'est bon, en même temps, pardon, je parle en anglais en même temps, non, c'est de l'allemand que je dois faire. allemand et anglais. je vais mettre un peu de tout en même temps. Demo voilà, elle va parler un peu japonais en même temps. Demo Hayaku, 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 Yavolka Kudasai. Je vais vous préparer ces documents, mais il y aura cependant une chose que vous devrez faire. Une chose importante que vous devrez faire et sur laquelle nous ne transigerons pas, car vous n'êtes point de l'Ordre Rouge, contrairement à vos mentors. Et de fait, vous devrez laisser toutes vos armes ainsi que vos focaliseurs magiques à l'entrée, que nous vous rendrons, bien entendu, lorsque vous sortirez. Ceci est d'accord pour vous? Eh bien, je n'aime pas trop cela, mais nous n'avons pas le choix. Nous, c'est la règle, c'est la règle que nous appliquons à tous les étrangers qui entrent dans la cité intérieure. C'est pour nous aussi permettre et être garant de la sécurité ainsi que de... Ah! Mais maintenant que je parle, je me souviens de ce que m'avait dit vos mentors. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin de retrouver une personne du nom de... Mein Gott, quel était ce nom, Mein Gott? Non, c'est rien. Philoxemos. Je me souviens, ils étaient à la recherche d'un certain Philoxemos qu'ils devaient interroger. Et je devais le mettre à la question. Philoxemos, oui, je me souviens. Et là, il y a la porte qui se trouve avec l'employé qui revient avec un registre et elle prend le registre. Voyons un peu cela, non? Non, en effet, ils ne sont jamais ressortis. Voilà qui est bien embêtant, mais vous savez, vous voyez la montagne de choses que nous avons à faire ici, je n'avais pas noté cela. Écoutez, peut-être ont-ils logé chez quelqu'un à l'intérieur, peut-être chez ce fameux Philoxemos. Je vous prépare, vous laissez passer. Je n'ai que très peu de temps, de toute façon. Si je peux me permettre une petite requête. Oui, vite.
Voyez-vous, nous sommes à la recherche de nos mentors et vous dites qu'ils ne sont pas ressortis. Ils sont sur une enquête. Peut-être c'est dangereux. Nous sommes à leur recherche. Peut-être que ça sera dangereux pour nous également. Est-ce qu'il n'est Seigneur, vraiment pas possible vos... Il d'emporter vous sera ne fier... serait-ce qu'une dague, quelque chose? Non, non. Justement, nous sommes extrêmement vigilants sur les... justement sur les armes, et c'est parce que nous refusons toute entrée d'armes ou de focaliseurs de sorcellerie ou de magie que la cité intérieure est absolument totalement sécurisée. Vous n'avez rien à y Je craindre. commence. Et c'est la règle que nous appliquons. Nous n'appliquons nulle libéralité. Personne n'a d'armes, pas même les habitants, c'est cela? Excepté les patrouilles, nos chères patrouilles, non, personne n'a d'armes à l'intérieur de la cité intérieure, c'est la règle. Honorable, Excepté honorable Gradule, patrouilles, excepté sauf-conduit particulier comme ordre rouge, ou choses comme ça. Et vos mentors faisant partie de l'ordre rouge, j'ai accepté de faire une petite exception. Mais c'est une exception. Et ce n'est guère la règle. Je dois vous quitter, je dois vous demander de partir. J'ai très très peu de temps, comme vous le voyez. Beaucoup de personnes attendent encore et je suis assez fatigué d'entendre leur demande, leur doléances, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Et là, elle claque comme ça ses Oui. bottes, elle se lève. Et elle vous accompagne vers la porte, elle ouvre la porte. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous prie, j'espère que vous aurez un merveilleux séjour dans la cité intérieure de Norpan. Au revoir, messieurs. Et là, elle vous pousse dehors, comme ça. Enfin, elle pousse peut-être Donc un peu là, plus on différemment, a les mais laissez-passer dans la main, là, c'est ça? elle vous a donné les laissez-passer, bien Moi, entendu. je crois qu'elle va avoir du mal à me pousser, mais Et bon, je là, l'accompagne dans son et mouvement. là, elle vous fout dehors, et puis elle essaie, Suivant! Suivant! Et là, donc, pareil, une dame qui se lève et qui rentre dans le bureau juste après vous. Et vous êtes donc à l'extérieur du bureau, donc devant les autres personnes qui font la queue, et avec vos mais vos précieux laissez-passer pour entrer à la cité intérieure. Nous avons vaincu. Vous avez vaincu. Eh bien, allons-y du coup. Vous sortez, vous en profitez aussi pour manger un petit morceau quand même, parce que bon, il y a Mais du quelques, coup, il est midi oui, là. il y a Il bon, commence à faire la date. Vous voyez, même 16 h. vous trouvez une petite, pareil, vous trouvez une petite taverne, un petit peu à l'image de ce que vous aviez vu auparavant, hein, à l'image du tabac pourpre. Mais voilà, une petite taverne là pour vous restaurer tranquillement, rapidement. Hein. L'après-midi commence à avancer pas mal quand même. Là, on est toujours, on est, on va dire, vers 3 h de l'après-midi à Vinay. Et donc, vous vous dirigez après vers la grande entrée de la cité intérieure. Vous montrez vos laissez-passer. Bien entendu, on vous demande vos armes. Que faites-vous? Eh bien, je tends mon épée, enfin, je sors mon épée Donnez, encore et ma, je en fait, ma question va redis être à la celle-là. personne. Est-ce que vous décidez de garder une arme malgré tout avec vous? Ou un focaliseur? Parce que je sais pas si, je sais plus si Meseret il t'a un focaliseur peut-être de magie, je sais plus. Alors moi, le truc, c'est que j'ai ma relique de sorcier, c'est une cheval, c'est une ch la chevalière de ma famille, donc je peux m'en servir de focalisateur. Mais le truc, c'est que personne ne sait que je fais de la magie vu que les sorciers, c'est caché. Ouais, mais. Ok, Et là fait, c'est ça. personne ne sait que c'est une bague magique, quoi. Sauf s'ils font une détection de la magie, bien entendu. Eh bien, je sais pas. Oui, je sais bien. Donc, tu veux prendre le risque de garder ta bague? Ouais, de toute façon, dans mon background, la bague, elle est soudée à mon doigt. Je peux plus la D'accord. retirer. Ok. J'ai le pacte avec la On va créature. faire un par un Donc alors. je peux. Non, bah tiens, écoute. Meseret, donc de fait, toi, tu veux garder ta bague. Tu donnes tes autres armes, si tu avais des armes, oui. Ouais, je donne mon épée longue, mon Oui. arbalète et mes deux Et dagues. les deux dagues. Par contre, tu gardes la bague. Et là, il y a donc Ouais. un. Il y a donc un. Y a donc, vous êtes devant quelques soldats, etc., évidemment, pour cette partie-là, avant de pouvoir entrer. Et devant un portique, non, je plaisante. Et donc, il y a un type qui ne porte pas d'armure et qui te regarde comme ça et qui fait. Puis il te montre la bague comme ça que tu as à ton doigt. Puis il fait un petit non, non, non avec son doigt. Et
Et du coup, je lui dis, mais monsieur, c'est la bague de ma famille. Et la magie que vous devez sortir est une malédiction, en fait. Regardez, je ne peux pas la retirer. Je ne suis moi-même Allez, raison de plus, si c'est une malédiction, qu'un on ne aristocrate. va pas vous laisser rentrer avec ça, je suis désolé, monsieur. Vous ne pourrez pas rentrer. Mais ce n'est pas une bague magique, c'est juste fait. Elle ne me donne pas accès à la magie. Je ne peux juste pas la retirer, en fait. Elle est soudée à ma main, regardez. Essayez. Et je lui tends ma main gentiment. Il ne la touche pas et il te fait, je suis désolé, les ordres sont clairs. Et je ne peux pas prendre aucun risque, vous comprendrez. Je ne peux prendre, pardon, aucun risque, vous comprendrez. Mais enfin, monsieur, on va pas quand même lui couper le doigt. Mais Soyez raisonnable. je ne fais pas de magie, je suis un simple guerrier, j'ai laissé toutes mes armes, je vous assure, vous pouvez faire confiance à ma famille, nous sommes quand même renommés dans l'Empire. Nous ne vous abuserions pas. J'ai un honneur à défendre, monsieur. Je ne Il regarde le vous mentirai document pas. et regarde le laissez-passer, donc signé de la main même de Perialar. Donc toi, Mézéret, c'est toi qui as parlé, et c'est Gradule qui a parlé aussi, Ouais. hein, c'est ça. Vous allez Oui, donc, oui. Mézéret, tu vas me faire un test de, tu vas me faire un test de persuasion, et tu peux te faire aider de Gradule, et je sais plus comment ça se passe quand on aide quelqu'un à faire un test. Alors, si je vous Il en a fous. l'avantage. C'est juste l'avantage? C'est l'avantage, c'est-à-dire que Mais je dis Persuasion. juste parce qu'en fait, en tant que demi-ogre, j'ai volonté de faire qui me donne déjà l'avantage en persuasion. Donc est-ce que je jette trois fois Tu le dé, peux. vu que j'ai un Normalement, double ils ont. avantage? Bah Ou écoute. sinon, je peux lui donner l'inspiration bardique. Bah écoute, l'aspiration bardique, ça donnerait quoi? Un D6. Bah il peut avoir les deux, j'imagine. Il peut faire Un un jet. D6 en plus. Ouais, un D6, Il ouais. peut faire un jet avec De toute façon, avantage. j'ai Et ça. l'avantage forcément. Ok. Bah tu peux faire un avantage plus le D6 d'inspiration bardique, pourquoi pas, ouais. Ok, donc j'ai fait 1 et 11, donc 14 avec le bonus. Et l'inspiration bardique maintenant. Bah, ça va aller. 14 plus. Ah, 14 plus 6, 20! Ça va. Très très bien. Ouais, Bon, ça alors passe. là, le ok, le type, bon, le type te rend le papier, fait bon, très bien. Ok, ça ira pour cette fois. Suivant, Merci, donc monsieur. la suite après Meseret, c'est Gradule qui, bah voilà, justement, Gradule qui était derrière et qui a un petit peu poussé. Et donc, Gradule, est-ce que tu donnes toutes tes armes? Est-ce que tu donnes l'ensemble de tes armes? Oui, mon arbalète et ma dague. A priori, toi, tu n'as pas de focaliseur. Hein. Toi, tes pouvoirs n'ont pas besoin de focaliseur. Non, Ok, tu donnes toutes tes armes, très bien notées. Est-ce que tu donnes. Voilà, toi, tu es l'arme, mais est-ce que tu donnes ta lance et tes fléchettes? Je lui demande, faut-il vraiment donner toutes ses armes? Ah oui, l'ordre est très, 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 très clair. Et ça, c'est. Ils sont intransigeants. Ils sont prêts à. Donc je lui donne mon bâton. Et en fait c'est la seule arme que j'ai juste un bâton. Et pas de fléchette? Et non, j'ai pas de fléchette, j'ai juste un bâton. Ok, donc tu. Et donc je donne mon bâton et j'avance et je fais craquer mes phalanges en rentrant. Donc là, il te coupe les mains. Non, je plaisante. Et donc, Ouais. à toi, Jean Edmond, tu donnes toutes tes armes, rapière, arbalète, dague? Ouais, bah du coup, ouais. Ok, donc vous donnez toutes vos armes et vous, ben on vous ouvre la porte, l'immense porte, et vous donc entrez dans la cité intérieure. Est-ce que, ouais, on va peut-être continuer, ouais, on va continuer, on va faire la partie de la cité intérieure et ça va pour vous? Vous êtes pas trop claqué ou quoi que ce soit? C'est ok pour vous? On peut encore continuer un peu? Pas du tout. Moi, je suis chaud. Alors, Moi, c'est bon. c'est bon pour vous? Ok. Bon, on va Je veux continuer. mettre des grosses droites. C'est ça, t'as raison. On va voir ça, on va bien se marrer. Tu as bien rigolé. Donc donc là, le grand portail comme ça s'ouvre vers voilà s'ouvre et donc vous entrez à l'intérieur. Vous voyez en fait que c'est une espèce de cité avec trois zones, trois qui semblent former. C'est sur une colline, hein, donc ça semble former comme ça trois cercles concentriques. Donc là, bon, vous êtes dans le premier cercle qui semble vraiment rempli comme ça de plusieurs temples, de plusieurs belles architectures comme ça, très avenantes, etc.
Et je regarde en vitesse hein, en même temps pour pas me gourer. Et donc voilà, donc vous êtes comme ça, et puis donc il y a quelques bâtisses, quelques maisons tout autour. Donc voilà, et donc vous déambulez là-dedans, c'est très très calme, il y a des personnes qui marchent comme ça, parfois en réfléchissant, et qui vous font un petit signe de tête, comme ça, ou salut. L'ambiance est assez différente de ce qu'il y avait sur le pont, évidemment, là on sent vraiment beaucoup plus de tranquillité, c'est un petit peu, je sais pas, c'est... Vous voyez, Desperate Housewife, bah c'est la même chose sans les Américaines, quoi. Enfin bref. Et donc voilà. Donc voilà, c'est très très Est-ce qu'il y a des calme. gardes? Et donc Est-ce qu'on voit des... voilà. Il y a beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup beaucoup de lieux de culte, de choses comme ça, avec entouré de quelques petites habitations autour, comme ça, de quelques Et on petites. croise des gardes? Oui, vous voyez des troupes, une petite troupe qui passe comme ça, qui patrouille, une petite patrouille, pardon, pas une troupe, non, pardon, une patrouille comme ça de quatre soldats qui passent, qui vous regardent, mais sans plus, voilà, sans animosité ni Mais quoi que ce soit. même question que tout à l'heure, est-ce qu'on voit des bâtiments particuliers dépassés ou... Y a vraiment là, c'est vraiment c'est vraiment ce que vous voyez surtout des temples, des choses comme ça, et on peut pas dire. Après, c'est pas vraiment particulier particulier, disons le fait que ce soit un endroit où plusieurs temples sont regroupés, bon, il n'y en a pas un plus particulier que l'autre. Quand vous regardez un petit peu vers le haut, vous pouvez voir que le bâtiment qui est tout en haut semble, lui par contre, ressembler plus à un bâtiment militaire, un petit peu plus, voilà, c'est d'une autre facture, mais bon, pour l'instant, de toute façon, vous n'y êtes pas du tout. Donc voilà, vous êtes à ce niveau-là, donc voilà, vous baladez comme ça. Moi, je connais pas trop les religions, la religion en général et la religion de cette région en particulier. Et donc, je m'arrête devant un temple et je regarde voilà, quel dieu est vénéré. Est-ce qu'il y a un symbole qui représente cette divinité? Bah, tu vois une divinité. Après, toi, vu que tu connais pas grand-chose en religion, bah tu vois une divinité qui semble être une divinité des récoltes ou quelque chose qui semble proche de ça. Voilà, donc c'est un petit temple. Voilà, où il y a D'accord, une caisse comme ça avec des fentes à plat comme ça où les gens peuvent mettre des dons, des choses comme ça. Il y a personne en fait pour là dans ce petit temple-là. C'est très 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 calme. y a pas de nom en particulier ou d'inscription? Non, il n'y a pas vraiment de nom, non. Il n'y a pas de nom d'inscription, surtout des décorations, des choses comme ça, où on a parfois des habitants qui sortent après avoir fait leur petite prière, leur petit truc. Et il y a plusieurs divinités en fait, c'est Ouais, polythéiste. tout à fait. Il n'y a pas. Ouais, c'est plusieurs divinités, un peu de tout. Ok. Alors pendant ce temps-là, Gradule, il regarde s'il voit pas dans une des rues un marchand d'étoffes ou un tailleur. Ok. Parce que je rappelle que Gradule est très très bien habillé, enfin il est très bien sapé. Et il se trouve que dans le village des orques, il a perdu son petit carré de soie qui dépasse de sa pochette. Donc voilà, Ok. si jamais il y a un marchand d'étoffes ou quoi que Donc ce soit, vous pour restez remplacer ensemble ça. ou vous restez tous ensemble ou vous vous séparez pour ça? Je suis les autres, mais je regarde Ok. juste Bah effectivement si je vois. en glanant comme ça, en glanant, oui, je sais pas si on dit glanant. Oui, en glanant. En glanant, pardon, en marchant comme ça, ouais, en effet, tu passes devant une boutique qui semble vendre des étoffes de très bonne qualité. Donc tu t'approches, voilà, tu. Eh bien, je choisis un beau petit carré de soie pour remplacer Okay. celui que j'ai perdu. Tu Voilà. rentres dans la boutique, donc voilà, tu choisis un beau carré de Tout à soie fait, voilà. voilà, que tu payes ma foi, combien vas-tu payer ça? Un petit carré, un morceau d'étoffe quand même quand même du pognon. Oh toi t'es blindé en même temps tu vas me dire. De pognon. J'ai 15. Ouais. 15 pièces d'or. Bon, on va dire, je sais pas, À j'ai dire ça, mais. absolument pas de liste vraiment pour ça. Je vais un petit peu définir. Oh, une pièce d'or Ouais, je pour un pense que pour la forme, on carré va de dire, soie. voilà, on va dire une pièce d'or. De toute façon, j'aurai un peu plus de renseignements sur tout ça, peut-être au fur et à mesure, mais pour C'est l'instant, tard c'est de un la petit. négociation. Oui, alors donc voilà, enfin, tu réussis à avoir une excellente pièce de tissu, mais vraiment quelque chose de très très haute Parfait, qualité. voilà, là je suis très satisfait et Gradule, vous le voyez vraiment, il est Ah. satisfait, il s'est fait plaisir.
Moi, je lui souris et je demande au vendeur, très cher monsieur, nous sommes à la recherche d'un certain Philaxos. Est-ce que ce nom vous dirait quelque chose? Philaxos, j'ai eu ma fille une fois qui a eu ça, du Philaxos. Je veux dire, c'était quelque chose. Hein. On a été obligé de frotter la face parce que c'est le Philaxos. Merde, c'est pas. Et en plus, quand on perce Philaxos, ça gicle, ça rentre dans la peau. Ah, donc, il faut vraiment frotter. Avec un gant vraiment avec de l'eau, pas de l'eau comme qu'on trouve ici, il faut trouver de l'eau de source vraiment pure, et etc. Un petit coup de. Enfin voilà. Donc le Philaxos, c'est quand même. C'est vrai. Et vous avez un ami qui a du Philaxos, vous dites? Non, je me suis trompé, je cherche un individu. Un individu qui, oui, se nomme Philoxémos. Philoxémos. Philoxémos, ce nom me dit quelque chose, mais ça, attendez, Philoxémos, attendez. Ah oui, mais attendez, ah non, oui, non, mais oui, d'accord, oui. On l'appelle l'homme miroir, on l'appelle, oui. Philoxémos, oui, c'est vrai, vous avez de la chance de tomber sur moi, parce que, oui, entre commerçants, forcément, bon, c'est vrai qu'on l'appelle plus trop par ce nom-là, mais oui. Philoxémos, oui. Écoutez, c'est le. L'homme miroir? C'est l'artisan, c'est un autre artisan, un excellent artisan qui produit vraiment des miroirs d'une qualité absolument prestigieuse, hein. Comme vous voyez, de toute façon, ici nous sommes vraiment au top de la production, hein, des royaumes du Nord. Et donc oui. Bah, écoutez, je peux vous dire, oui, bah, c'est assez facile de trouver sa maison, hein. C'est sa boutique se trouve en fait près de l'arbre. Il y a un arbre esprit là, que vous pouvez pas louper. C'est un espèce de grand chêne là que vous trouvez là-bas, avec une source d'eau à ses pieds, et sa maison est juste en face. Vous pouvez absolument pas la louper. Vous verrez sa boutique sans aucun problème. Vous remercie grandement. Eh bien, je vous remercie, c'est moi. Au plaisir de vous revoir, monsieur. Excellente journée, monsieur. Au revoir. Très bien. Je dis à mes amis que je l'ai trouvé et qu'on y va. Très bien. Donc, en fait, ça vous dit quelque chose parce que vous étiez passé un peu devant tout à l'heure. Vous revenez donc un petit peu sur vos pas et en effet, vous arrivez devant un grand arbre comme ça, au centre d'une place comme ça. Et vous voyez en effet, vous voyez une boutique en effet qui est là. Hein. Vous reconnaissez que c'est une boutique au fait qu'il y a le petit truc en l'air là. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, le. Enseigne. Hein, bon bref, le ah, voilà. Ah, voilà, ici boutique. Et donc vous arrivez, et l'enseigne. En fait, l'enseigne. Ah. Et donc vous arrivez devant cette maison et en fait vous voyez que tous les volets sont clos. Du moins sur la façade de la maison, vous voyez absolument tous les volets clos. Et je vais vous mettre, je vais passer un petit peu sur la carte et je vais vous envoyer la carte sur le Discord pour voilà. Je regarderai les dessins de Scriff sur le Discord après. Je suis désolé, je ne regarde pas tout de suite, mais je regarderai avec attention tout à l'heure. C'est pour pas perdre mon attention. Voilà, je vous mets voilà. Et donc voilà à peu près ce que vous voyez. Donc attendez, le temps que ça charge. Voilà. Ok. Donc vous arrivez en fait du haut de la partie haute et droite, hein, c'est-à-dire que donc vous voyez en là fait, où il y a le chemin quoi. Voilà, là où le chemin arrive du haut. Donc vous arrivez de ce chemin qui part du haut là comme ça. Et donc vous voyez que c'est une bâtisse comme ça entourée d'un muret, hein, d'un mur assez grand où en faisant le tour, donc vous voyez un petit peu à peu près la dimension du truc comme ça. Donc vraiment une petite boutique. Hein, il ne doit pas y avoir énormément de choses à l'intérieur. Par contre, vous voyez quand même que ça a l'air d'être un endroit avec un assez haut de plafond quoi. Ça a priori. Mais bon. A priori, c'est tout ce que vous pouvez voir. Vous devinez derrière la maison, derrière le mur, vous devinez qu'il y a un gros jardin derrière. Et puis après, la façade devant, ce qu'on va, on va dire la façade nord, hein, sur le plan pour simplifier un petit peu. Là, j'ai mis en deux couleurs. J'ai mis deux couleurs pour les portes. Donc, il y a une petite porte que vous voyez en couleur violette, qui est en fait la porte de la boutique elle-même. Et vous voyez une porte à double battant, beaucoup plus grande. Sur le côté, elle aussi fermée, hein. Les deux sont fermés, les volets sont fermés,
Et donc voilà ce que vous voyez. Est-ce que j'ai été clair? Dites-moi si il y a des choses qui vous semblent. Yes. Alors, juste Et en pour. face, Je le redis, ce est-ce qu'il y a plan. du monde Je le autour? redis entre parenthèses, ce plan est une création de Hélène Tyr, donc qui a vraiment très gentiment, qui m'a gentiment. Ah Ah. ouais, ça vient pas du scénario lui-même, de la Gazette, pardon. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Hélène Tyr. Donc voilà. Encore une fois, je lui dis merci encore. Donc voilà, Bravo! je vous Ouais, écoute. bravo, Lentil. Ah oui, gentil comme tout. Alors. Moi, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de monde alentour, Non, pas d'humains, quoi. c'est plutôt désert. Par contre, il y a des habitations quand même aux alentours, donc voilà. Mais c'est plutôt Ouais. désert. Mais c'est très Et calme. Et il fait toujours jour, hein, donc. est-ce que en essayant d'ouvrir, on voit que c'est fermé à clé? Ouais. Tu regardes, Ouais. tu ouvres là. Non, c'est fermé à clé. Alors, je Si on. voudrais faire une détection de la magie Sur quoi? devant la porte, la porte à double battant là. Tu fais une détection de la magie, ok, et bah tu ne sens rien. Je frappe à la porte quand même. Tu frappes à la porte, la grande, la petite? Je suis déçu. Sur la petite porte? La porte Là, d'entrée de sur la la boutique? petite. Ouais. Sur la petite Ouais. porte, donc celle de l'entrée, hein, a priori, l'autre a l'air plus. L'autre, la porte à double battant, on sent que c'est plus des trucs pour des carrioles, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Bon, pour là, l'atelier, quoi. ouais, peut-être, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, Ouais, la on petite sait pas. porte là, tu frappes à la petite porte, personne ne répond, absolument personne. Regarde, pas un bruit. Moi, je décide de faire le tour pour observer s'il y a une autre entrée ou un autre accès, en Bah, fait. tu fais le tour de la maison et tu vois pas Oui, de la d'autres maison, hein. ouais, tu vois pas d'autres portes que celles qu'il y a sur la façade. L'autre solution, ça serait d'escalader le mur. Les volets, ils sont comment? Ils sont vraiment Fermé, ouais. complètement opaques ou c'est des barres de bois avec lesquelles on pourrait voir entre Non, deux? c'est vraiment des volets opaques. Quand vous vous approchez un petit peu en Il n'y a essayant de pas de regarder, fente. vous voulez faire le même coup que dans l'autre scénario, je sais. Ah, on va regarder entre Exactement. les fentes de la tente pour pouvoir niquer tout le monde. Non, pas cette fois. Cette fois, vous approchez, les interstices sont beaucoup beaucoup trop fins. C'est absolument impossible de voir ce qu'il y aurait à l'intérieur. Est-ce que derrière, il n'y a pas une fenêtre ou quoi qui donne sur le verger et l'arbre? Derrière, au Et niveau son du petit mur. jardin là? Ouais, mais c'est un mur en Ouais. fait, hein. Il n'y a pas dedans, il n'y a pas de fenêtre ni quoi que ce soit. Pas d'entrée, pas d'ouverture, Ah, il n'a c'est pas un mur. d'accès qui donne de sa maison au jardin. On le voit Ah pas. non, je vois pas le jardin, tu veux dire. C'est un Non. mur autour. Ouais, voilà, Oui, c'est ça. exactement. Ouais. Ok, Après. il est de quelle hauteur le mur à peu près? Oh, ben, c'est un mur qui va vous demander une petite escalade. C'est faisable, hein. C'est faisable, c'est pas mission Mais impossible, parce hein. que comme je fais 2,20 m, je me dis, est-ce que Ouais. en portant Ouais. Gradule à bout de bras, Ouais. il peut voir Ouais, mais c'est par-dessus? exactement ce que vous faites. Donc tu portes Gradule. C'est ok pour Gradule? C'est ok, Donc tu ok. portes Gradule comme Mon ça pour cher voir. Et Gradule. donc, mais sans trop de soucis, en fait, même en sautillant un peu pour mes airettes, c'est possible de voir un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus facile en portant Gradule. Donc en portant Gradule à bout de bras, oui, en effet, bah, toi, Gradule, tu vois en effet un jardin. Bon, en fait, ce que vous voyez sur l'image, hein, un grand arbre, quelques plantations, rien de spécial à part ça. Et puis vous voyez, par contre, oui, il y a une petite porte, en effet. Si vous regardez sur le plan, il y a une espèce de demi-cercle un peu marron là dans le jardin. Je sais pas si vous voyez en haut Ah oui, ouais. oui, Donc oui, voilà, oui. la porte est à ce C'est niveau-là à l'entrée peu de. près. Ouais, c'est Voilà, là qu'il y a tout la près. porte. Voilà, c'est là qu'il y a la porte. Ok. J'aurais dû la mettre en couleur aussi, mais je voulais pas pour trop en dire en fait. Voilà. Donc là, il y a une petite porte aussi, ouais, par derrière comme ça, Là mais aussi, faut. les fenêtres sont fermées? Ah oui. Tous les volets, tout est fermé. Ouais. On voit absolument rien Et d'ici. il est quelle heure là? L'après-midi commence à bien s'avancer quand même, on doit être vers 4h, 4h, 4h30 on va dire. Ok, moi je tiens juste à préciser que. Pour être discret, j'ai porté gradure collée au mur, mais tu sais, entre les Oui. deux bosquets. Non mais Au mur tout à gauche, il y a deux bosquets, on est caché derrière des arbres, en Mais fait. sans trop de soucis parce que derrière vous il n'y a pas vraiment d'habitation. L'habitation qu'il y a sur le côté, bon après on peut pas trop vous voir là où vous êtes. Donc oui, à cet endroit-là ça va, Ok. vous n'êtes pas trop remarqué. Ok. Pendant que Gradule est monté sur les épaules de mes airettes, moi j'escalade le mur et j'essaie de rentrer dans le jardin. Ok, très bien. Eh bien, tu vas me faire un petit jet Eh ben. de. Si je le trouve. Athlétisme Voilà, acrobatie. tu vas me faire un petit jet d'athlétisme. Ouais, vas-y. Un petit jet Eh ben, d'athlétisme. j'allais leur proposer de faire ça, mais du Et coup. t'as, mais il fallait être plus Alors, rapide. pendant ce temps-là, Attends, on va faire d'abord Fred. le jet de vous. Fred, ça peut avoir son Ouais, importance, vas-y, hein. Ah vas-y. oui, vas-y, dis-le.
Ouais, parce que moi, je redescends des épaules de mes errettes, je fais le tour. Oui. Et pendant que donc il rentre dans le jardin, je Oui. fais diversion en tapant très fort sur la porte. Pas une idée, ça. Sur la porte d'entrée. Ah ouais. À l'entrée, tu veux Et dire. Sur la voilà, petite à porte à l'entrée l'entrée, la du porte magasin. violette, ouais, Ouais, la d'accord. porte Donc violette. tu tapes Ouais. comme ça, ok, très bien. Et toi, bah, dis-moi combien tu fais. 15. 15, très bien. Donc tu as réussi ton escalade sans problème, tu passes de l'autre côté, et pendant ce temps-là, c'est Gradule, hein, qui. Gradule, Ouais, c'est Gradule qui Gradule, ouais, t'a. je frappe Et à la porte. là, il y a quelqu'un, il y a un voisin qui sort de la maison juste à côté et qui vous fait. Non, mais c'est fermé, il est fermé. Vous voyez, il est fermé là, ça sert à rien de taper, hein, il est fermé. Il est fermé depuis combien de temps? Il va l'ouvrir? Ouais, ça fait quand même quelques jours qu'il est fermé. Ouais, mais bon, bah écoutez, je sais pas moi, Et vous l'avez pas vu depuis? Vous l'avez Ben, plus vu j'ai. depuis? Ouais, il est reparti. Il me semble que. Enfin, moi, c'est peut-être ma femme ou qui me l'a dit l'autre jour, mais ouais, je crois qu'il est reparti. Il est parti il y a pas longtemps, ouais. Enfin bon, il y en a qui l'ont. Ouais, on m'a dit qu'il était reparti. Bah, après, vous savez, je sais pas, il avait peut-être une livraison à faire, hein, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu des Oh, c'est masses ces bizarre, derniers le jours. sein. Il est Et vous reparti avez tout vu, seul, est-ce que et vous vous avez avez. vu des gens dans son magasin récemment? Des choses suspectes peut-être? Parce que c'est inquiétant. Tu vas me faire un petit test d'un charisme investigation, mon ami. On verra ce qu'il va te Alors. répondre. Investigation, tu dis? Ouais, charisme investigation. Oh, mais moi je suis trop bon dans ces trucs-là. C'est pas 16. intelligence, investigation? Non, mais c'est toujours un petit peu. T'en Intelligence, fais ouais. pas, t'en fais pas. Ok. J'ai mon bonus de Ok. maîtrise sur investigation. Donc 16. 16, ok. Donc là, il se tourne vers sa femme. Il fait. T'en viens un instant, chérie, là. Tiens, il y a un monsieur là qui voudrait et qui a besoin d'entrer. Tu m'avais pas dit. Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Qu'est-ce que t'avais vu? Ah oui, bah, la femme s'approche. Ah bah oui, il est parti. Il est parti avec la carriole et tout, il y a quelques jours. Hein, ça Ah. c'est clair et net. Hein. Ouais. Mais bon, il est parti, vous êtes déjà assez sombre, hein. C'était quasiment la nuit. Moi, j'étais en train de repasser mes vêtements à ce moment-là. Et bon, ouais, comme ça, je l'ai vu partir avec sa carriole. Oui, c'est clair. Il y avait une grande plaque. Hein. Il devait faire une livraison parce qu'il y avait vraiment une grande plaque en paquetée, là, derrière la carriole. Là, ça dépassait bien. D'ailleurs, c'est Ah. vraiment un sacré truc. Plaque. Et puis, oui, il est reparti, c'est clair. Voilà, oui, c'est vrai. Que ça semblait bien chargé, ça avait l'air d'être une grosse grosse livraison en tout cas. Et depuis, vous l'avez pas revu du tout, il n'est pas Ah revenu. bah non, Okay. non c'est vrai, bah là il a tout fermé, non il est pas revenu depuis, non. Bon il repassera bientôt, bon, ça arrive parfois, des livraisons un peu loin peut-être, hein. Oh, il va bien repasser. Bien écoutez, je vous remercie de tous ces renseignements, c'est très gentil à vous. Et je vais donc attendre. Je vous en prie monsieur, à passer une bonne journée. Je fais comme si je m'éloignais, Et mais en fait, Fred, j'ai fait le moi. tour pour rejoindre Ok. mes camarades. Oui, ok, entendu, ouais. Et après, quelqu'un voulait parler. Moi, pendant qu'il faisait ça, à la suite de Wu, j'ai escaladé. Alors, c'est Et qui? C'est Meseret, hein, qui me j'ai parle. fait 25 en athlétisme, donc. C'est Meseret, hein. Ok. Ouais, c'est Meseret. Donc, pareil, escalader sans problème, toi, en plus, t'es plus grand, même tout ça. Donc, voilà, tu passes de l'autre côté, donc tu arrives à côté de Wu. Et donc, c'est Wu, et toi, vous êtes dans le jardin. Gradule, toi, Yes. tu es revenu par derrière. Alors moi, je reviens près de Jean-Edmond. Près de Jean-Edmond, et Jean-Edmond, toi, t'étais Je resté où, toi? T'étais au niveau des buissons derrière, du côté du Ouais. jardin, tout ça, on est d'accord. Ok, donc, Ouais. ma question va être simple. Est-ce que Jean-Edmond et Gradule, est-ce que vous tentez d'escalader le petit mur, ou vous restez à votre place? Alors, vu ma taille, je vais éviter de chercher à grimper sur le mur. Et je vais plutôt rester à observer les environs, voir si D'accord. personne n'arrive. Voilà, je surveille pendant que Très les bien. autres. Et toi, Jean-Edmond? Pas trop en athlétisme. C'est toi qui vois. Hein. Non, je vais rester avec. Jamais. D'accord, donc vous faites le guet en fait, en gros, hein, c'est ça. Vous Ouais, je regardez un reste petit avec peu Gradule pour pour voir garder l'autre si. côté. D'accord.
Eh bien, de fait, je vais m'occuper de vous et de Mézérette, hein, maintenant. Eh bien, mais voilà, donc vous êtes dans le jardin, un petit potager, un très, voilà, très bien, plutôt bien entretenu, mais bon, c'est du bol que le temps n'est pas au soleil ou quoi que ce soit, donc a priori, le potager a reçu un peu de pluie. Parce que bon, voilà, ça semble entretenu assez passablement, mais bon. Donc voilà, petit jardin, petite courette, et puis vous voyez donc la petite entrée en bois là devant vous, à l'endroit que je vous avais indiqué tout à l'heure. Que décidez-vous de faire? Moi, je dis juste avant qu'on avance, je dis à Gradule et à Jean Edmond, je leur dis, bon, suffisamment fort pour qu'ils entendent, mais assez discrètement quand même, de nous rejoindre à l'entrée, parce qu'on va rentrer et qu'on va leur ouvrir la porte principale. Pour qu'ils puissent nous rejoindre. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Edmond et Gradule? Est-ce que vous écoutez ce qu'ils vous demandent de faire? Moi, je me rapproche de la façade, ouais, du coup. Tu retournes devant à l'entrée et tu restes à l'entrée. Ok. Ouais, c'est ce que je fais. Je vais rester à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Et vous, donc, mais vous allez du côté de l'entrée cette fois, c'est-à-dire du côté opposé. Oui. C'est ok? Oui? Oui, c'est donc près de là, on le voit un peu coupé, mais près de l'arbre avec le. Oui, vous pouvez même un peu comme ça marcher un petit peu autour de l'arbre pour pas quand même non plus avoir l'air de faire les. Oui, voilà, c'est ça. Juste devant, ceux qui. Voilà, ouais. Regardez un petit peu là, voilà le grand arbre, voilà le culte du. Une espèce de fontaine là. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Eh ben vous, vous et Mézérette, qu'est-ce que vous faites devant cette petite porte et ses volets fermés et j'en passe. Une fois que Mézérette nous a rejoint et qu'il a transmis le message à nos camarades, je traverse le jardinet au pas de course, oui, sans rapide, faire de bruit. Hein, quasiment. Ouais. Il fait jour et tout ça, puis oui, il n'y a pas de bruit. Oui. Enfin, sans faire de bruit. Ouais. Enfin, en même temps, il y a de l'herbe, tout ça, donc c'est pas. Faites pas de. À partir du moment où j'ai posé les pieds dans le jardin, Wu a changé de comportement. Il a l'air d'exécuter des choses assez mécaniquement. Et je me précipite vers la petite porte et je regarde si elle est ouverte. La porte, ta petite porte, est elle aussi fermée. D'accord. Je donne un coup de pied facial à la porte. Ok. Pour l'ouvrir. J'imagine que tu vas me faire un petit jet de. Moi je le suis, hein. Un petit jet de quoi de l'athlétisme pour ce genre de choses? Pour ouvrir une porte comme ça avec le pied? Qu'est-ce que t'en penses, non? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, hein, je pense. Hein. Allez, athlétisme. C'est parti. Ouf. 18. Oh. Alors 18. 18. Hein? 18. 18. 1 et 8. 18. Oh, à l'aise. Kung Fu n'est pas mort, quoi. Paf, la petite porte. La petite porte, le verrou saute. Paf. Et la porte s'ouvre un petit peu. Oui. Et sitôt qu'elle craque, je fais une roulade à l'intérieur de la maison et je me tiens prêt. Très bien. La petite porte s'ouvre. Et moi, j'ouvre la porte aussi, je le suis et je suis prêt au combat pareil. Ok. Mais plus prêt à caster. Roulade ninja, et puis la porte s'ouvre, laissant passer un filet de lumière dans la pièce dans laquelle vous allez rentrer. Et je vais vous envoyer ça sur le Discord pour que vous ayez une idée de ce que vous voyez. Voilà, hop, j'envoie deux petites secondes. Oh. Vous voyez sur le Twitch peut-être déjà, je vous l'envoie sur le Discord en même temps. Voilà. Alors, donc, je sais pas si arrivez... c'est utile, mais moi j'ai la vision dans le noir. Hein. Oui, alors là, le truc c'est que bon, la vision dans le noir va être utile, mais là, étant donné que vous venez d'ouvrir la porte, en fait, avec la lumière du jour de la porte, vous réussissez à voir ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant, sans problème. Donc, ce que vous voyez, vous voyez une toute petite chambre comme ça, une petite chambre, un petit lieu de vie comme ça. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, avec un lit, il y a une petite cheminée aussi qui est dans cette pièce-là et la cheminée est éteinte. Vous voyez que les cendres sont complètement, enfin,
vous vérifiez pas, mais enfin vous voyez que les cendres sont froides, hein, et, a priori, hein, vous voyez pas de... Tu vois, c'est pas un feu qui vient de s'éteindre ou quoi que ce soit. Vous voyez sur... voilà, vous voyez des petits placards, enfin je vous fais un petit peu une description rapide, hein, comme ça, vous voyez donc un petit placard, vous sentez une petite odeur de nourriture qui commence un petit peu à pourrir, hein, comme des fruits là, qui commencent un petit peu à pourrir, hein, quand on a gardé un petit peu trop longtemps, comme ça, et puis à côté, vous voyez un petit lit donc, et puis à côté du lit, vous voyez une commode aussi, et voilà. Et voilà, et puis bon, une étagère, quelques vêtements pliés, des vêtements très simples. Oui. Je fouille la commode pour voir s'il y a des choses. Oui. Pardon, je t'ai coupé. Ok. D'abord, en fait, c'est ça. Moi, je me tourne vers toi, Mesaret. Je te fais un signe étrange avec mes doigts. Je te montre mes yeux et je te montre avec mes doigts le reste de la pièce. Et je poursuis mon chemin vers la porte de la pièce. Qui mène. Ok. Alors, on a deux. Attendez, oui, que je dise pas de bêtises. Non, il y a qu'une. Oui, il y a que. Attendez, je suis désolé, je vous demande un petit instant pour revérifier un petit truc. Désolé, ça, je ne sais pas. Mais bien sûr, il y a pas de bêtises. Est-ce que tu ne dis pas de bêtises au niveau des portes? Est-ce que tu veux qu'on chante pendant ce temps-là? Non, merci. Je vérifie juste sur le plan une petite chose. Si vous voulez bien l'ouvrir. Sur le pont de Nord. Bon, 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 bon. Et manche, nous irons. Je dois sortir. Bon, bon, bon. Donc, bon, oui, bon. En effet, il y a une autre porte. Une porte qui est en face, qui est dans la continuité. Donc, au bout du pas du petit couloir, mais enfin, oui, on va appeler ça un petit couloir. En effet, oui, il y a une autre porte là-bas. Et donc, toi, tu t'approches de cette porte-là, c'est ça? Oui, je fonce vers cette porte-là et je vais l'ouvrir. Ok, donc tu l'ouvres. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Mesaret? Moi, je fouille la pièce comme j'ai compris ce qu'il me disait, puis en plus, c'est ce que j'avais prévu de faire. Comme j'ai une bonne vision, quelle que soit la luminosité, okay. Je regarde dans l'armoire, dans l'étagère, un peu partout, si je trouve quelques objets d'intérêt. Tu regardes un petit peu partout, bon, donc tu vois des vêtements, des choses comme ça, bon, bah, sans grand intérêt, mais tu vois dans la commode où il y a des vêtements, justement, sous la pile de vêtements, tu vois une bourse. Une bourse. Voilà, une bourse avec des pièces dedans. Que fais-tu? Je regarde les pièces en fait. Enfin, je regarde à l'intérieur de la bourse voir s'il y a des infos. Tu ouvres la bourse et tu vois à l'intérieur, il y a 20 environ, on va dire 20 pièces d'argent à l'intérieur, 20 pièces d'argent. Ok, juste de l'argent. Bon ben, je repose la bourse alors. Tu reposes la bourse, tu la fermes, tu la. Je suis pas un voleur. C'est un gars très très bien. Ça. Ouais, c'était. C'est aussi que t'es pété de thunes, donc t'as pas besoin non plus. Oui, c'est ça. Je suis un peu un fils de seigneur, donc j'ai des thunes. Pendant ce temps-là, toi, où tu as ouvert la petite porte qui était au bout, et donc je vais faire apparaître par la magie du. Ah, attendez, je vais faire apparaître ça. Hop, sur le Twitch. Donc tu ouvres la petite porte qu'il y a au bout et je vais vous mettre le dessin sur le Discord. Et juste moi, une fois que j'ai fini de tout fouiller, si j'ai rien trouvé d'utile par rapport à Philaxos ou à nos mentors, je rejoins vous dans la pièce suivante. D'accord, donc vous allez tous les deux dans la pièce suivante. Là je suis en train de charger sur le Discord. Ok. Voilà, donc là, la pièce suivante, la pièce où vous arrivez, c'est vraiment la boutique elle-même. Donc là, alors vous laissez la petite porte derrière vous ouverte. Pour toi, Wu, c'est un peu plus difficile. Oui. Wu, tu as pas de vision spéciale dans la pénombre, tout ça, je crois. Hein. Non, mais j'ai un troisième œil qui me guide. Ouais, c'est ça. Donc, Wu, pour toi, c'est un petit peu plus dur à te repérer, mais est-ce que tu as une torche ou est-ce que tu as quelques moyens, bougies dans ton équipement ou un truc? Non, mais. Non mais je me dis que la petite porte à l'arrière, comme on l'a laissée ouverte, ouais, et qu'elle va dans le même axe. Il y a un petit rayon de lumière qui apparaît, ça t'aide un tout petit peu, mais bon, on va dire que c'est quand même Mesaret qui va s'en sortir le mieux dans l'histoire. Donc oui, alors donc là vous êtes vraiment dans la petite boutique elle-même, là, qui est donc dans la pénombre. Hein. Donc très très simple, très simple. Il y a un petit comptoir là avec vous voyez un espèce de registre sur ce comptoir. Puis tout autour en fait vous voyez des grands comme ça des grandes formes assez hautes, hein, rectangulaires, drapées dans des tissus de velours, tout autour comme ça, là, tenues debout contre les murs. Et vous voyez, il y a une autre porte, donc il y a la porte de l'entrée, évidemment, qui est la porte violette. Puis vous voyez une autre porte sur le côté, si vous regardez sur le plan, normalement vous devriez pouvoir la voir. Donc voilà. Et donc c'est pour l'instant ce que vous voyez.
Donc moi je me suis pas arrêté, hein, donc j'ai traversé la première pièce d'un trait. Ouais. J'ai ouvert la porte qui mène dans la boutique et en fait je saute au-dessus du comptoir Ouais. et je fonce vers la petite porte d'entrée. Et enfin, j'imagine qu'il doit y avoir une sorte de verrou à l'intérieur, Ouais, juste comme ouais, ça. ouais. Ouais, en effet, Et ouais. donc j'ouvre le verrou à l'intérieur Ouais. et j'entrouve la porte, Ok, simplement, et tu je chasse à réussis l'intérieur. à... Oui, tu ouvres la porte. Comme ça, ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Je laisse la porte légèrement entrouverte et après je reste dans la pièce et j'attends que mes arêtes me rejoignent. Ok, donc Mesereth te rejoint, oui, très vite en fait, hein, quasiment, ouais. Moi, je Woot le est là. rejoins et je commence à chercher à nouveau des infos dans le comptoir. Tu fais une recherche et toi, Woot, tu t'attends juste comme ça, tu fais rien de spécial? Disons que je fais peut-être un petit sifflement. Ouais. Et du coup, Et moi, j'indique Igor. à Woot d'aller voir dans l'atelier si jamais. Enfin, dans la. Et moi, je vois qu'il y a une porte, tout Ouais. à fait. Ouais, y a Une une autre. autre porte là Ouais. qui donne sur la Ouais. dernière pièce. Ouais. Et je lui dis d'aller regarder pendant que moi je cherche des Tu infos dis à ici. Woot d'aller à d'autres endroits, En donc faisant ouais. des Et toi, gestes. tu fais. Et ok. Genre. Alors, par contre. Ah ben non, il n'y voit que dalle, donc en Bah lui voilà, disant. mais c'est toi qui vois. Hein. Et moi, j'imagine que nos compères sont à Oui, l'extérieur. je lui parle. Par contre, J'attends qu'ils rentrent. attendez, parce qu'on va déjà faire les compères qui entendent le sifflement, d'accord, et ils décident quoi alors, les compères qui sont à l'extérieur? Ils décident d'entrer? Ouais, moi je me Je me rappelle. dirige vers la porte et je demande Vous d'abord. allez me faire un petit jet de. De Est-ce qu'on est en discrétion? discrétion? Ouais, de discrétion tous les deux. Si vous voulez rentrer sans vous faire remarquer par le voisinage. Oh, mais ils m'aiment bien les voisins. Ouais, mais je crois pas qu'il serait très curieux de voir des gens entrer comme ça. Discrétion. Ah ouais, puis je suis trop fort en discrétion. J'ai fait 22, moi. Ça, c'est Jean Edmond, d'accord? Bon, J'ai fait alors. 10. Ça, c'est le Jean Edmond. Jean Edmond Et qui sinon, s'est c'est le Jean Edmond. coincé sous le Combien pour l'autre? bassin. J'ai pas entendu l'autre. Et Graduel 18. 18 Oh, et. oh, oh. Je fais que des 18, c'est Vous monstrueux. entendez des Ah, ninjas. je suis Là, ouais, vraiment, bon, ok, vous. Voilà, et paf! Hop, vous êtes à l'intérieur. Donc personne ne vous a remarqué sans aucun problème. Ok. Et donc, sitôt qu'ils sont entrés, moi je referme la porte. Et là, vous retombez dans le noir. Et je la ferme à clé. D'accord. Et là, vous êtes. Ah oui, vous n'êtes pas dans le noir, mais vous êtes vraiment, vraiment dans la pénombre. Alors, donc, de fait, Gradule Mais. et Meseret voient sans problème. Et Mais. du coup, moi j'allume une torche. Ah, très bien, ouais, bonne idée. Donc, là, avec la torche de Jean Edmond, là, bon, bah voilà, là, vous voyez sans problème tout ce qu'il y a autour. Bon. Par rapport à la description que j'ai faite, hein, il n'y a pas grand-chose de plus. Vous pouvez me redire, donc, alors, qui fait quoi maintenant? Je suis désolé, hein, je vous demandais ça. Donc, Meseret, tu fais quoi exactement là? Ah, toi, tu fouilles, Meseret, hein, c'est ça? Alors moi, je fouille le comptoir et j'indique à mes amis d'aller, enfin à mes compagnons d'aller regarder dans l'autre pièce, enfin notamment à Wu et à Jean Edmond et Gradule. Je lui demande, Gradule, peux-tu lancer à nouveau ton sort de détection de la magie auprès des miroirs pour voir s'ils Alors, ne sont pas plus que de simples miroirs? logiquement, c'est un rayon de 9 mètres. Donc, si tout à l'heure j'ai rien détecté, c'est qu'il y a rien. Ok. Parce que je veux dire, et en plus, je ne sais pas combien de fois je peux servir d'un sort comme ça. Là, je pense pas. Ouais, pas tout le temps. Et normalement, toi, t'es. Et ouais, c'est Ouais. ça, voilà. Il Ah, doit y mais avoir j'ai des gens jeté une placés dans des fois. machins. C'est à toi de décider, je Ah, crois, c'est avec ça. qui. Donc, eh bien. je l'ai jeté une fois, et normalement, si dans un rayon de 9 mètres, il y a pas, j'ai rien détecté, c'est que logiquement, dans la maison, il n'y a rien. Mais il me semble Ok, que la bon. détection de la magie, il a une durée qui est assez longue. C'est La durée du sort, 10 c'est une heure, minutes. non? Non, C'est non, 10 c'est 10 minutes. minutes. Ah, 10 minutes. Oh D'accord, oui, mais ouais. bon, Là, les 10 parce qu'on minutes a sont mis 10 passées. minutes à faire Oh, si, ça. si, si, oui. Bon, d'accord. Bah oui, Ok. vous Bon, l'avez ben, fait du coup. au moment d'arriver, vous l'avez fait, si je dis pas de bêtises. Après, le temps de parler avec les voisins, machin. Oui. Ouais, C'est voilà, c'est vrai, ça. c'est Oui, vrai. non, 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 10 minutes, c'est bon, du passé, coup, mais. je fouille le comptoir et je Ok. leur indique d'aller dans la salle d'à Donc, côté. Meseret, je vais m'occuper de toi pendant que tu es en train de fouiller. Donc, tu fouilles le comptoir. Tu trouves une petite caisse. Sous le comptoir et sur le comptoir donc comme je disais tu trouves un gros livre de un espèce de gros livre de registre sur le comptoir c'est tout ce que tu Que trouves j'ai d'accord plus. tu épluches le registre Je pars de la fin, évidemment, pour voir tu s'il y a le nom de quelqu'un qui m'est connu, donc un de nos mentors de bah, tu mentionner. regardes comme ça ouais tu regardes les feuilles tu les tournes tu regardes et tu vois que en fait c'est un registre de tous les clients et de toutes les livraisons de ces dernières années. Donc tu épluches un petit peu et pendant que tu épluches, donc nos amis vont dans l'autre pièce, tous. Ouais. Non, non, je dis à Mézérette, je raconte ce que les voisins m'ont dit D'accord. et je lui dis si jamais tu trouves quelque chose qui est
comme un registre de ses ventes ou quoi que ce soit. Regarde la dernière, la toute dernière. Bon. La toute dernière entrée, qu'est-ce qu'il a vendu en dernier? Mais Zerek, ce que je m'empresse de faire. Tu te le sers. Donc tu regardes à partir de la fin. Tu vois en fait dans les derniers mois, tout ça, il y avait de moins en moins de commandes, de moins en moins de livraisons. Mais tu remarques assez rapidement qu'il y a on va pas dire un nom, mais en tout cas il y a une entrée, on va dire, voilà, une entrée dans les trucs, une entrée qui revient souvent. Et cette entrée, bah tu vois, c'est écrit C. Il y a un C, la lettre C, un tiret, C, tiret, et T-H-A-N. Tu vois ça. Et ça revient dans les dernières semaines, ça revient assez souvent. C, tiret, T-H-A-N. C, on va dire TAN, on va le prononcer à la française. Quoi qu'à la française, ça serait TAN. Non, mais bon, on va le prononcer à la française comme des Anglais, donc TAN. Donc voilà, c'est ce que tu lis. Quant aux autres, vous allez dans l'autre pièce? Alors donc là, c'est Gradule et Mézérette qui étaient autour du truc. Oui. Et les deux autres, alors, Jean-Edmond, tu vas avec où, à côté ou pas? Oui, je suis. Oui. Alors, non, en fait, moi, je vais pas à la pièce à côté, je montre à Jean-Edmond la pièce à côté, et pendant que Jean-Edmond regarde comment ça s'approche de la pièce à côté, moi, je me glisse derrière un des tissus qui recouvre un miroir, et en fait, je me dissimule. D'accord. Et Jean-Edmond, tu ouvres la porte? Ouais, avec la torche dans ma main. Très bien. Ok, je vais mettre l'image qui correspond. Et je vais vous faire la description juste après. Hop, ça arrive. Toujours pareil, un petit temps d'attente. Voilà, ça va charger. Pompon. Ouais, voilà. La ville de Narpon. Ah putain. Ok, donc là c'est donc Jean-Edmond, tu ouvres le truc, tu regardes un peu autour avec la torche. Bon, on va dire que la lumière porte assez loin, on va être sympa. et donc tu vois, bah le ouais, tu vois que bon, c'est d'abord, tu vois que c'est un atelier, en effet, c'est un atelier de travail qui doit a priori servir aussi pour mettre qui devait servir pour mettre la charrette, le fameux chariot dont ont parlé les voisins. Et en tout cas, ce que tu vois surtout, c'est que c'est un bordel sans nom, quoi. C'est tout, vraiment, tout est pété à l'intérieur. Il y a eu vraiment, il semble y avoir eu du grabuge, comme pas possible à l'intérieur. Les meubles sont cassés. Enfin bref, les caisses sont brisées, etc. Mais surtout, tu vois un corps allongé, pas à quelques mètres de la porte, même pas à quelques mètres, à 2 mètres de la porte, on va dire. Donc tu vois un corps allongé au sol. Un corps humain. Et donc voilà ce que tu vois pour l'instant. Que font les autres pendant ce temps-là? Surtout toi, où? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attends que Jean-Edmond finisse son inspection de la pièce et pour l'instant, je reste dissimulé derrière une couverture. Ok. Donc Jean-Edmond, toi, tu continues d'aller à l'intérieur, ouais? Du coup, quand j'aperçois le corps... Non, je me retourne vers eux en leur disant je pense que j'ai trouvé quelque chose, venez voir. Et en même temps, je me précipite vers le corps pour voir ce que c'est. D'accord. Si je le reconnais, si quand tu avances, hein, tu remarques au sol, il y a comme une trace de brûlure au sol qui a eu comme s'il y avait eu une foudre ou quelque chose qui serait tombé, ce qui est impossible vu qu'il y a un toit, mais bref. Et donc tu t'approches du corps et tu vois le corps d'un homme a priori une quarantaine, cinquantaine d'années, et tu vois ce corps en fait égorgé. Mais ce qui est assez étrange, il est égorgé, mais il n'y a pas de grosses flaques de sang sous lui ou quoi que ce soit, tu vois. Il est égorgé, donc un peu de sang évidemment autour de la plaie, tout ça, mais pas une grosse flaque comme on s'attendrait à voir dans ces cas-là, quoi. Et on en a pas vu non plus dans tout le reste de l'appart. Non. De la c'est vraiment le seul endroit où il y a une lutte a priori. Enfin, pour l'instant, le seul endroit que vous avez vu depuis le début où il y a une lutte et où il y a un cadavre. Moi, du coup, je vais compter que Mézérette, une fois que j'ai fini de fouiller, de trouver le truc,
enfin, les infos sur Cetan. Je rejoins Jean Edmond quand il précise, enfin, quand il dit j'ai trouvé un truc, puisque je suis intrigué. Mmh. Et comme j'y vois probablement mieux que lui, j'inspecte les alentours. Mmh. Ah oui, il a la torche. Ouais, ouais, il est auprès du cadavre, en fait, moi j'inspecte le reste de la pièce. Pas la zone éclatée par magie, parce que je suppose d'office que c'est de la magie. Mais plus le reste, là où je vois plein comme des tables, une cheminée, une baignoire. Il n'y a pas du sang dans la baignoire, un truc comme ça. Je regarde partout. C'est toi, Mézérette, hein, qui me parle. Hein. Pardon. C'est moi qui parle. Oui, c'est Mézérette. Hein. Tu regardes. Non, pas de baignoire. Ouais, ouais. Non, il y a vraiment. Mais l'atelier est sans dessus dessous. Hein. C'est vraiment un bazar. Non, il n'y a pas de baignoire. Ah, c'est un gros dawa. Et donc. Ah non, c'est juste le bleu. Je croyais que c'était de l'eau. Et tu vois, tu vois quelque chose un petit peu à un moment, tes yeux comme ça se posent sur un truc, hein, tu vois avec tes pieds, tu bouges un petit peu comme ça les débris, machin, et tu vois une chevalière par terre au sol. Ah. Et tu la prends avec comme ça, enfin, d'ailleurs, est-ce que tu la prends d'ailleurs? Je dis tu la prends, non, t'es pas forcé de la prendre. Oui, oui, je la ramasse. Tu la ramasses. Et je regarde même c'est quoi quel motif est dessus. Le motif est assez clair. C'est une chevalière avec une insigne que tu connais très bien. Puisque c'est une chevalière avec l'insigne de la famille de Helka, la maîtresse d'armes que tu as très connue. Et donc tu reconnais parfaitement cette chevalière et cet insigne. Ok. Du coup, je fais comme si de rien n'était. Mmh. Je montre pas que je suis touché par l'événement, quoi. Mmh. Et je m'approche du corps et je demande à Jean Edmond, sais-tu qui il est ? Jean Edmond. C'est un homme, hein ? Oui, c'est un homme. C'est un homme, ouais. Entendu. Je le reconnais pas. Non, pas du tout. Est-ce que, à part le fait d'être égorgé, il a des... Il a des traces de brûlure ou d'autres traces de coups ou non, rien. Non. Il est juste égorgé. Ouais. Ok. Et toutes les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Hein. Là, tu vois qu'en effet, la porte à double battant, non, elle était fermée à clé, elle, mais de l'extérieur. Donc Gradu, lui, il est rentré aussi dans la pièce. Et du coup, je vais inspecter tout ce qui est, comment dire, alors si on prend le nord comme étant l'axe vers le haut. Ouais, on dit comme ça, ouais. Du coup, vers l'ouest, tu vois. C'est-à-dire que tout l'établi, là, que tu vois, tout ça. Et je regarde un peu, voilà, est-ce que je vois du sang? Est-ce que je vois des choses intéressantes, des objets, des choses... Il n'y a pas vraiment... Enfin, tu trouves des petites traces de sang parfois, mais pas des trucs, pas des grosses traces. Enfin, c'est vraiment... Non, tu regardes, c'est des outils, c'est l'établi qui est pété. Mais dans les débris, tout ça, tu remarques rien de spécial. En tout cas, rien que de... Mais c'est quoi comme outil? C'est-à-dire que, est-ce que je peux deviner qu'est-ce le genre de choses qu'ils construisaient, qu'ils fabriquaient? Ah bah oui, de pas... Des miroirs. Disons que sans deviner, tu vois que c'est des outils faits normalement pour polisser des surfaces, etc. Rien de spécial. Toutes ces choses-là. Rien de spécial, non. Tu vois pas un truc incongru, non. Et il y a une autre porte, c'est ça? Oui, il y a une autre porte, en effet. Une autre porte, ouais. Du coup je vais l'ouvrir aussi. Ok, donc tu l'ouvres et je vais mettre la petite image. Tu l'ouvres, là ça donne je vais peut-être pas le mettre sur le Discord pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est une toute petite pièce, en fait c'est une réserve. Tu arrives donc dans une réserve où tu vois il y avait une autre pièce. Ouais, une toute petite pièce, mais c'est bon, maintenant vous les avez toutes vues, bravo, congratulations. Non, enfin, donc c'est une petite réserve. Des petites caisses, des machins comme ça, des sacs de sable, des conneries, quoi, mais vraiment c'est la petite réserve. Et puis c'est toi, c'est Jean Edmond qui est là, ouais. Oui, c'est ça.
Bah tu vas juste me faire un petit... Tu regardes autour et tu vas juste me faire un petit jet d'investigation, juste pour voir. Ok. Alors que moi j'ai tout trouvé sans faire de jet. Oula. 5. Ok. Bon, tu ressors, tu... Bon, ouais, tu dis que c'est une réserve. D'accord. D'accord. Et ok. Vous Et retrouvez moi je lui demande, y a rien dedans? Moi j'ai non, Rien. j'ai rien trouvé de particulier. C'est ça a l'air d'être juste une réserve où il rangeait ses tout ce qu'il avait besoin pour fabriquer ces miroirs. J'ai pas trouvé autre chose. Et par contre, je regarde dans l'établi, est-ce que je trouve une espèce de couteau, un truc comme ça? Un couteau de travail, oui, à la rigueur, Ouais. oui, des trucs, enfin bon, c'est pas sans pourquoi. Ouais, pas l'arme du Non. crime, quoi. Non, pas du tout, non. Non, mais. Non, mais Non, dans mais le couteau. pour avoir une arme. Ah oui, bah tu prends un couteau, Pour mais c'est avoir une vraiment stone. un Ah. couteau à moquette, hein. Faut pas espérer que Ouais, ça fasse beaucoup de dégâts. Mais enfin oui, tu prends avec toi, ouais, pourquoi pas. Ouais. ça Et fera dans toujours l'atelier que. qui Plus que mes points, quoi. dans la pièce qu'il vient de visiter, il n'y avait pas d'armes, hein. C'était vraiment Non, que du non. Que stockage. du stockage, ouais. C'est vraiment boutique, atelier typique, réserve de base, rien de. Ok. Non, mais moi je vous réunis et je vous dis que j'ai trouvé du coup ces informations dans le registre à propos du nom qui revient à plusieurs reprises de C. Tan, et donc dont j'ignore qui ça peut bien être. Et je vous montre la chevalière en vous disant que c'est la chevalière d'Elka et que elle l'aurait pas ôté sans une excellente raison et très probablement pas de plein gré. Et moi, Gradule rajoute ce que les voisins lui ont raconté, c'est-à-dire que Philoxémos, il est parti en carriole avec visiblement un miroir, un grand miroir, ou en tout cas de ses productions, dans la carriole, et que visiblement c'était pour ce Cétane, puisque c'est la dernière commande qu'il semble avoir reçue. Et donc, si on veut suivre la suite, pardon, la piste de Philoxémos, il faudrait sûrement retrouver ce Cétane. Moi, je pense qu'il faut absolument Probablement. retrouver Cétane, en effet. Mais je me demande si Philoxémos n'est pas l'individu qu'on a au milieu de cette pièce. C'est possible. Mais les voisins affirment Mais l'avoir vu. En même temps, c'était dans la nuit. Elle il faisait. faisait noir, ouais. Effectivement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et Enfin, en tout cas. je pense qu'il faudrait quitter l'endroit discrètement et faire en sorte de réparer brièvement les portes pour faire comme si on ne les avait pas touchées, puis aller prévenir la garde. Vous avez, je sais pas, des sorts. Enfin, Prévenir il y la. a thaumaturgie, réparation, des trucs comme ça avec vous, non? Ou non? Je comprends même pas. Alors, Parce que pour moi j'ai réparer. réparation. Pour ré... J'ai Parce que. réparation, c'est un tour de magie, c'est pas un sort. C'est un tour de magie, voilà. Et bah, tu Voilà. peux. Voilà, bon, tu utilises ça pour réparer un petit peu les petits verrous, les machins, ouais. Et vous sortez? Non, mais avant Oui. de partir, je vais retourner à la pièce où il y a le cadavre. Oui. Et je l'inspecte un peu plus de détails. Je vais, même si je connais pas cet homme, comment est-ce qu'il est habillé, cet homme? Ben justement, il est vraiment habillé comme un artisan, tu vois, il a une blouse de protection, enfin de protection, une blouse de travail, pardon, avec des grosses poches pour pouvoir y mettre quelques outils, tu vois, bon, voilà, quoi. Et ses mains correspondent à son activité, c'est-à-dire est-ce que je vois qu'il a des mains d'artisan? Oui, on pourrait dire ça, oui, en tout cas, oui. Bon, enfin, c'est des mains qui ont l'habitude de travailler, oui. D'accord. On peut Et faire. la partie qui est calcinée au niveau du sol, c'est comme s'il y avait eu une explosion, c'est Ouais, ça? c'est comme s'il y avait eu, voilà, c'est comme un petit peu comme s'il y avait eu un coup de foudre ou un truc comme ça, à ce moment-là. Et ça correspond à quelle zone à peu près? Ça fait quoi dans le diamètre? Oh, tu regardes quand on regarde sur le plan, après, bon, ouais, c'est à peu près, je sais pas, ça fait à peu près 1,50 m de diamètre, ouais. À peu près. Ok. Et autour de cette explosion, il n'y a pas de débris de quoi que ce soit? C'est C'est, vraiment juste le t'as contact? des débris un peu partout dans la pièce, il n'y en a pas plus là qu'ailleurs, on va dire. Et les débris sont liés à l'explosion.
Non, 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 non. A priori, enfin, évidemment, tu peux pas non plus tout remonter dans le temps, comme qui dirait. Mais non, non, non. Là, vraiment, c'est il y a eu de la baston. C'est pas seulement cette explosion qui a provoqué les débris. Non, 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 non. Non. D'accord. Et tu disais que l'homme était mort, mais qu'il n'y avait pas de sang autour de lui, indépendamment de ce qu'il y avait autour de Voilà, la c'est ça coupure au le niveau du petit cou, truc c'est ça? bizarre, c'est que voilà, on a du sang évidemment autour de la plaie, des trucs comme ça, mais on devrait avoir normalement du jus de raisin autour, quoi, par terre, mais pas de ça. Est-ce que je peux déterminer la... à peu près depuis combien de temps cet homme est mort? En Il regardant faudrait la faire rigidité, plutôt un où truc on peut trouver la médecine, peau. un jeu de médecine, ouais, à la rigueur peut-être, mais on va le faire avec un désavantage parce que c'est quand même pas ton. Ou alors je sais pas, attends. Attends, je regarde ta fiche en même temps. Attends, bouge pas. Hein. Est-ce que Oui. t'as. En médecine, ouais, t'es pas. Oui, t'as pas t'as rien de spécial en J'ai pas fait. de maîtrise en médecine, T'as pas de maîtrise, j'ai pas ouais. une formation T'as pas de particulière. formation vraiment. Non. Non. Bah, de toute façon, le cadavre en même temps, oui. Non, c'est vraiment difficile pour toi de voir exactement le nombre de jours, tout ça. T'as vraiment pas assez de connaissances pour ça. En plus, le lieu était En tout cas, fermé, clos. Bon, c'est difficile à savoir. d'accord. Moi, j'ai une petite question, mais elle est un peu HRP. C'est par rapport à mes connaissances IRL, donc j'en parlerai pas pour mes élèves, mais est-ce que le corps il est en cours de décomposition? Il y a déjà les premières vagues d'insectes qui Ça. commencent à le becter Là, et à pondre tu vas ici pouvoir, mes je crois que tu interrogations. vas pouvoir me Est-ce qu'il est répondre, en tu vas train de pouvoir bien répondre. fondre? Ok, tu vas pouvoir répondre mieux que moi. Bon, sachant que l'endroit où vous êtes n'est pas un endroit chaud ni quoi que ce soit, hein, même s'il y a une certaine Ouais. humidité, le lieu est clos. Bah, on va faire clair, le personnage n'est pas, serait pas, non, c'est pas de la grosse décomposition à mon avis. On va dire en gros, là on parle hors roleplay, hein, évidemment. Oui. La mort doit remonter à venir. Laisse-moi réfléchir, que je dise pas de conneries. Je sais pas, on va dire pareil, ouais, à 4 jours ou un truc dans ce genre-là, quoi. Alors après, Ok, c'est donc pas non ça plus un. pue, mais ça va. Ouais, ça pue un peu, voilà, mais ça va, c'est pas de la grosse décomposition, y a pas des insectes partout, tous ces trucs-là, non, c'est sûr. Ah, 4 jours, il recommence, Ah, hein? ça Il commence, y en ah, ça a. commence, ça commence, ça commence. Bon, enfin, bon, vous voyez, c'est pas un corps qui est là depuis des années ou quoi que ce soit. Enfin, ouais, en fait, bon, Ouais, non, il est bon, pas en putréfaction on va faire avancée, simple sans quoi. faire de trucs de médecine. À vue de nez, ça correspond à peu près au moment où certainement les mentors sont venus ici, tout ça, quoi. Donc, enfin, vous Ouais, faites un peu le calcul. c'est pas Bon, un corps qu'on a posé là et qui non, était non, genre ah, non, non, un non, mec qui était non, là non, depuis 10 ans non, et. non, pas du tout. Ok. Non, c'est pas un cadavre déterré ou quoi que ce soit, non, 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 c'est sûr. Voyons que C'est mes ouais, élèves. c'est bien. Voyons que Mazeret s'intéresse un peu plus au cadavre. Je me tourne vers lui et un cou qui a été tranché autour duquel il n'y a pas de sang, cela pourrait signifier que cet homme était mort avant qu'on lui tranche le cou, n'est-ce pas? Je pense également. Et il y a eu de la magie puisque la zone là, à l'avant, près de la porte, semble foudroyée. Donc, il se peut que ce soit un utilisateur de magie qui ait causé cette mort. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'on ne peut pas pénétrer l'enceinte avec une arme. En Et effet. qu'est-ce qu'il aurait utilisé pour lui trancher le cou? Peut-être une créature dotée de griffes? Peut-être un verre tranchant comme un miroir. Exact. Et il est parti avec un miroir, l'individu. Et Exactement. pourquoi lui trancher la gorge s'il était déjà mort? Peut-être pour Quel est masquer l'intérêt? la véritable cause de sa mort. Pour masquer le fait que c'est une mort C'est magique, pas mais très bon. très bien fait alors, parce que ça se voit tout de suite. On l'a remarqué tout de suite, donc. Ou alors peut-être que l'individu a été tué ailleurs, puis a été ramené là et posé ici. J'ai peut-être une supposition pire, peut-être qu'il avait besoin du sang, et que le sang n'y est pas parce qu'il l'a récupéré. Effectivement, peut-être que de la magie occulte se cache là-dessous. C'est complexe. Je pense qu'il faudrait. Si nos amis mentors font une enquête, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, probablement sur ce Satan qui est très louche et à propos Et de la qui magie. intéresse l'ordre rouge, en effet. Exactement. Je pense qu'il nous faudrait retourner voir les gardes.
pour leur dire que nous avons vu des mouvements louches auprès de cette maison, comme ça ils pourraient venir enquêter. Et peut-être obtenir des informations sur Cétane ou sur des membres de l'Ordre Rouge que nous pourrions rejoindre. Enfin, je crains une chose, mon ami. Je crains une chose, c'est que nous avons vu à quel point ils sont méticuleux sur l'administration et sur le fait de nous laisser passer, etc. Et je pense que s'ils nous suspectent à un moment donné d'avoir franchi une porte d'une habitation ou d'un magasin, nous allons avoir des problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il faut leur dire quelque chose. Je serais plutôt, pour être discret, de leur faire le coucou gentiment et nous allons enquêter sur ce Cétane de notre côté. C'est mon avis. C'est une bonne idée et notamment... Et Gradule, mon cher, vous me faites penser que Brigitte a demandé au garçon qui nous a rejoint de faire des recherches sur l'arrivée de nos mentors, fait sur leur absence de retour plutôt, et certainement qu'ils ont les informations sur ce Cétane. C'est pas impossible. Pardonnez-moi, mais si ce Cétane est un client régulier de notre artisan, il serait peut-être plausible de penser que cet artisan possède les adresses de ses clients. En effet, je ne pense... Je n'ai rien trouvé de tel dans le registre, mais quand peut-être tu regardes qu'il le a registre, ces informations quelque quand, part quand vous ici. Regardez le registre, en fait, vous remarquez que il y a toujours le nom, un nom. Alors parfois, vous reconnaissez un petit peu des noms, évidemment, des noms de famille, des choses comme ça. Je veux dire, c'est... Et à côté, bah, à un moment, vous remarquez qu'en fait, il y a souvent un nom, un tiret, et après, vous avez le nom d'un lieu, en fait. Bah, vous en déduisez, donc, Tan, ce serait le lieu. Vous déduisez que Tan est un lieu, en fait, grâce à ça. Ouais, vous avez des noms de villes que vous reconnaissez, même Vercol ou des trucs comme ça. Donc, vous... Voilà, vous voyez dans les livraisons des années précédentes, enfin vous comprenez assez vite que en fait oui le nom c'est le premier mot c'est le premier nom pardon souvent c'est le nom du client, vous voyez à peu près, et après c'est un nom de lieu quoi. Donc Tan a priori. Bon, est ok. Un lieu. Et est-ce qu'on voit Tan apparaître que avec C ou est-ce qu'il y a d'autres clients à Tan? Non, il n'y a que C. C-Tan. À chaque fois qu'on a Tan, c'est il y a toujours que ce C, juste ce C, cette lettre C. Ok, et est-ce qu'on sait où est cette ville? Non, absolument pas, ça te dit rien du tout. Aucun d'entre vous. Ok. Donc c'est probablement pas dans l'Empire. Vous connaissez pas, en même temps, vous connaissez pas tous les lieux. C'est peut-être un petit lieu. Non, c'est vrai, c'est pas une ville importante, quoi. Peut-être même un lieu dit ou quelque chose, on sait pas. Ouais. La ville ou le village de Tan. Je pense que nous ne devrions pas rester trop longtemps. Ouais, non, pensez-vous, une décision. La nuit va arriver bientôt et maintenant il faut vous décider sur. Oui, d'ailleurs, Fred, en parlant de nuit, il faudrait pas que je tarde. Oui. Ben on va, je crois qu'on va bientôt s'arrêter de toute façon. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On va dire que la nuit est en train de tomber là. Qu'est-ce que vous décidez de faire, vos personnages? Qu'est-ce qu'ils décident de faire pour finir cette journée? Il faudrait peut-être passer la nuit quelque part et on se renseigne sur Tan. Quitter les lieux, trouver une auberge et faire des recherches demain sur Tan. Vous trouvez vous avez la chance à l'intérieur de cette cité intérieure de trouver une petite auberge avant de pouvoir, parce que bon, l'heure est plutôt avancée. Vous voulez sortir de la cité intérieure ou vous voulez rester à l'intérieur de cette cité pour la nuit? Qu'est-ce que vous... Je pense qu'on va rester dedans. Bon, rester dedans pour une nuit. Pour la nuit, ouais. Pour moi, faire des recherches avancées demain. Et ouais, déjà c'est safe. Ouais. Donc voilà, exactement, c'est safe. Donc puis en plus, bon, le temps de sortir de tout ça, vous risquez ça risque d'avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la nuit pour vous justement en tant que personnage. Ouais.
Donc vous trouvez une petite auberge très, voilà, enfin c'est même pas une auberge d'ailleurs, pardon, c'est un petit, une petite hôtellerie, un petit, voilà, un truc pour faire switcher. Et voilà, vous endormez, enfin bon, évidemment, vous avez toujours en tête tout ce que vous, toutes vos découvertes, évidemment pour toi, Meseret, évidemment, avoir retrouvé cette bague, ouais. Évidemment, cette turlivine. Mais bon, ouais, finalement, vous réussissez tous à vous endormir, parce que c'est un endroit quand même très, 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 très calme, très, très posé. Et donc, en fait, Jean Edmond est où au moment de vous endormir? Donc, vous endormez plutôt profondément. Et vous commencez à faire un rêve, et je vais vous dire quel rêve vous faites. Donc, en fait, dans ce rêve, vous entrez dans une forêt sauvage, primaire. Les arbres sont immenses, mais déformés. Le ciel est nuageux, gris, lourd. Au loin, on entend les cris d'animaux étranges et inconnus. Alors que vous avancez, lentement, apeuré, vous entendez ces cris se faire de plus en plus puissants, de plus en plus proches, et surtout de plus en plus nombreux. Vos cœurs se mettent à tambouriner dans vos poitrines. Vous êtes en terre inconnue, entouré de créatures terrifiantes, et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. C'est alors que vous entendez une voix féminine et douce, qui dans un souffle vous répète « Rejoignez-moi, rejoignez-moi et aidez-moi ». Et vous serez sauvé. Vous courez après Ardralène, vous vous précipitez au cœur de la forêt jusqu'à un massif rocailleux à la forme caractéristique. Il ressemble à un gros croc de pierre dépassant de la canopée. Au pied de ce dernier se trouve une protubérance rocheuse. Au sommet de cette dernière, à hauteur d'homme, la trace d'une main humaine semble avoir été gravée. Et alors que vous êtes sur le point de vous réveiller, la voix vous dit « Ici, ici, posez la main, et vous vous réveillez. » Et la suite, mercredi, 21h, je vous laisse, dormez bien, et je vous dis à très bientôt à tous. Merci encore pour ceux qui ont suivi, et à très vite, à mercredi, 21h, pour la deuxième partie de ce scénario. Merci à tous. Au revoir, bye bye. Merci à tous.